Nyadou Djeba, soit salué. Germezou, soit salué. Mamadou Ouedraogo, soit salué depuis ta position. Merci David Spafti, soyez salué. Légende Goku, soit salué. Gougou Séverin, soit salué depuis ta position. Oyara Ulrich Koudou, soit salué, frère. Merci. Merci de nous donner l'essence. Voilà, notre carburant, c'est le partage. Ce sont les likes. Voilà, c'est ce qui sécurise nos vidéos. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu fais des vidéos politiques, ceux qui ont plus de moyens, ils ont des appareils pour pouvoir bloquer tes vidéos. Donc, on va vous demander de les liker et de les partager massivement dans tous les groupes. Merci à Fafaya Abibla Diallo. Merci à tous. Emmanuel Traoré, sois salué. Merci d'être là. Merci de partager massivement la vidéo. Je voudrais saluer ce matin tous les frères et sœurs du Burkina qui me suivent depuis le Burkina. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs du Mali qui me suivent depuis le Mali. Tous les frères et sœurs du Cameroun qui me suivent depuis le Cameroun. Tous les frères et sœurs du Niger qui me suivent depuis le Niger. Tous les frères et sœurs ivoiriens qui me suivent depuis la Côte d'Ivoire, toute la diaspora africaine qui suit donc cette vidéo. Merci à toi, cher frère Oya Jules. Que Dieu te bénisse. Jack Lasme, soyez salués. Voilà, les Africains, les Africaines. La question qu'on se pose, il faut-il faire le combat ou il faut avoir peur? Il faut-il faire le combat maintenant ou bien il faut avoir peur et le rejeter? Il ne sait pas si je me fais comprendre. Le combat contre l'impérialisme en Afrique, est-ce que son temps est arrivé? Tous les Africains sont-ils prêts à faire le combat maintenant? Ou bien, il faut reporter le combat parce qu'on a peur. Donc, il faut une autre génération. C'est la question que chacun en marchant doit se poser. Tout le reste là, ça n'a pas d'importance. Ça, je vous le dis. C'est un combat qui nous attend. Peu importe le temps, le combat va se faire. Voilà. Maintenant, à nous de se dire, on est prêt maintenant. On peut mener le combat. La liberté de l'Afrique, la démocratie, l'indépendance de l'Afrique, son combat, on va le mener maintenant. Ou bien, on a encore peur de mourir, donc on le reporte. Sinon, le combat là, aujourd'hui, demain, après-demain, les générations qui vont venir, c'est un combat qui sera mené en Afrique. S'il y a des Africains qui sont conscients, qui veulent leur liberté, le combat va être mené. C'est tout. Voilà. Donc, il nous revient de voir, c'est tout. C'est tout. Mais le combat, en premier lieu, c'est contre nous-mêmes d'abord. Parce que ceux qui veulent de l'Afrique, ceux qui veulent puiser en Afrique, ou bien ceux qui puisent en Afrique, c'est par les Africains qu'ils puisent. Ce sont les Africains qui le leur permettent. Ils sont en complicité avec les Africains. Et ces Africains avec lesquels ils font leur complot, sont ces Africains-là qui marchent sur les Africains. Ce sont ces Africains-là qui ne veulent pas qu'on parle de l'Afrique digne. Ce sont des Africains là, quand tu parles de l'Afrique digne, quand tu mènes un combat pour l'Afrique digne, ils te prennent pour des ennemis de l'Afrique. Parce que tu es contre leur intérêt. Vous comprenez? Donc,
Ils vont toujours nous combattre, ces Africains. Il faut qu'on s'attende à ça. Chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer. Ce matin, j'ai vu une vidéo sur la page de Soulé de Paris. Une vidéo de la télévision burkinabé. Ça m'a fait couler les larmes. Je me suis demandé, c'est un pays africain qui est en train de faire ça. Dans cette vidéo, on voyait les images des terroristes sur des motos. C'est-à-dire, depuis le ciel, des gens, leur drone a filmé les terroristes et ont pris le temps de les laisser se retrouver sous un arbre en train de faire réunion. Et on les a bombardés. On les a bombardés. J'ai vu ces images-là, ça m'a fait chaud au cœur. Oui. Si toute l'Afrique, on était soudée et qu'on avait décidé de combattre vraiment le mal en Afrique et que ces genres d'opérations se multipliaient partout, on ne pouvait plus parler du terrorisme. Quand j'ai vu, mais j'ai vu encore une autre vidéo sur la page de Soulé de Paris. La vidéo, ce sont des militaires burkinabés qui vont sur le terrain. Ils ont en même temps du matériel pour faire la route, pour tracer la route. Et ils vont sur le terrain. Ils vont pour sauver les populations. Ils vont dans les brousses, dans les forêts pour sauver les populations. Mais il n'y a pas de route. Et la route qu'il y a aussi est minée par les terroristes. Ils meurent sur la route. Et il continue. Je voudrais dire dans cette vidéo, bravo à ces militants, à ces Burkinabés. À ces Burkinabés dignes, à ces soldats dignes. On les filme, on les voit, il n'y a pas de blanc parmi eux. Parce que les gens disent que ce sont des étrangers, c'est Wagner qui fait combat. Ibrahim Traoré en train de faire un travail au Burkina. Tous les Burkinabés, levez-vous et soutenez cette action. Parce que je vous le dis, Ibrahim Traoré, le langage qu'il a, il est dans leur viseur. Si on a perdu les gens comme les Ibrahim Traoré, on a perdu les gens comme les Assimi Goïta, on va encore reculer. Pour avoir ces gens-là, on va encore reculer. Quelle que soit la faim, quelle que soit la souffrance, quel que soit le manque d'électricité, quel que soit tout ce qui va nous manquer, soyons dignes et soutenons ces braves garçons. Ce que j'ai vu, les soldats burkinabés que j'ai vu, la souffrance que j'ai vu, la peine que j'ai vue, où ils sont obligés de faire un pont en même temps là, pour que le convoi puisse passer. Ils sont obligés, en 10 heures, de faire un pont. La population qui pouvait venir à leur aide, vient à leur aide. Et là où ils ne peuvent pas passer, ils font pont. Mais en même temps, sur cette voie-là, ils tombent dans les mines et ils meurent. Là, dans la vidéo que j'ai regardée, ils avaient déjà perdu 2 personnes sur la route. Ils avaient déjà perdu 2 personnes sur la route. Et ils continuent, ils ne se découragent pas et ils foncent. Ces gens-là, on les soutient. Ce travail-là, on le montre aux yeux de tous et on apporte du soutien. Ce que j'ai dit aujourd'hui, à nous qui sommes des Africains, il faut, nous autres, notre voix ne porte pas. Mais il est temps qu'on change notre façon de faire le panafricanisme.
la diaspora africaine, soyons unis. S'il faut ouvrir un compte, ouvrons un compte. Si c'est même pour déposer un 5 euros, faisons-le pour aider ces gens d'effort. La diaspora africaine, les rassemblements devant les ambassades, dans les rues, crier là, on n'a qu'à changer. Faisons des efforts, ce qu'on appelle ça les efforts de guerre. Vous qui avez des voix plus autorisées, là, cherchez à ouvrir un compte, communiquez le compte. Et celui qui peut va déposer ses 10 euros dessus, celui qui peut va déposer ses 7 euros, 5 euros dessus, cet argent-là va aider ces braves populations, ces braves militaires. Oui. Il faut qu'on le fasse. Je voudrais saluer Ibrahim Traoré et sa population. Je voudrais saluer les militaires burkinabés pour ces vidéos que j'ai vues. Il y a espoir. Il y a espoir en Afrique. Parce qu'il y a des hommes déterminés. Il y a des hommes qui sont prêts à tous les prix pour la liberté de l'Afrique. Et je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer. Voilà. Je demande vraiment au Nathalie Yang, c'est comme ça s'appelle, non, Nathalie Yang, comment l'autre s'appelle, vraiment, qu'on voit le combat autrement. Aujourd'hui, là, cherchons à créer un compte. On partage le compte partout. La diaspora africaine, on va contribuer. On va contribuer. Si c'est 5 euros, on doit payer par mois chacun. On va payer pour aider les efforts qui se font. Nos populations souffrent. On va les aider. Voilà. Au Mali, au Burkina, au Niger, on va aider. C'est tout. Ce que j'ai vu, les vidéos que j'ai vues ce matin, je voudrais vraiment saluer ce frère Soulé. Son logiciel avec lequel il travaille directement sur... Parce que moi, j'ai une application où je fais ma petite chose, mais ils ont une manière de faire le montage là où ils font leur truc là. C'est vraiment... J'ai vu cette vidéo là, ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur. Et je voudrais vraiment saluer cette population. Voilà. C'était notre introduction. Notre vidéo a un sujet qu'on veut traiter. Voilà. Qu'on fait les Burkinabés, les Maliens aux militants du RDR? C'est la question qu'on se pose. Je voudrais présenter toutes mes excuses à la population du Burkina et des Maliens parce que dans cette vidéo, je vais peut-être dire des choses, mais ce sont des faits. Ma question que je pose, qu'est-ce que les Burkinabés et les Maliens ont fait aux militants du RDR? Ces jours-ci. Et c'est pour cette question que j'ai demandé que Djenou Pacheco prenne son tabouret. Parce que dans une vidéo, Djenou Pacheco s'est adressé à ses populations, aux Maliens, aux Burkinabés. Il leur a dit que eux, aujourd'hui, ils insultent Ouattara. Vous, les Burkinabés, c'est vous qui insultez Ouattara aujourd'hui. Et que Gbagbo Laurent, c'est grâce à Ouattara que vous vivez. Parce que Gbagbo Laurent vous a tué. Gbagbo Laurent tuait vos parents. Gbagbo Laurent vous tuait en Côte d'Ivoire. C'est ce que Djenou Pacheco a dit. Et ces deux jours, les militants du RDR le disent et j'ai vu ces commentaires-là sous mes vidéos. J'ai vu aujourd'hui que ce sont les militants du RDR qui appellent les gens burkinabés.
qui regardent des noms et ils disent des Burkinabés. Toi, Burkinabé, là. Babou a tué tes parents. Toi, Burkinabé, là, Babou a tué tes parents. Je voudrais leur dire que ça, ça ne va plus passer. Il faut dire aux militants du RDR que ça, là, ça ne peut plus passer en Afrique. Ce mensonge, cette manipulation qui a été utilisée en Côte d'Ivoire, ça ne peut plus passer. Il faut que vous le sachiez. Il faut que, quand vous n'avez plus d'arguments, asseyez-vous. Mais allez encore chanter dans les oreilles de nos frères maliens burkinabés que c'est Gbagbo Laurent qui les tue, ça ne peut plus passer. Hier, vous l'avez utilisé pour gâter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça ne peut plus passer. Parce que les Burkinabés dont vous parlez, ils n'ont rien fait. Ils ne parlent pas de Gbagbo. Aujourd'hui, le Burkinabé aime sa nation. Le Burkinabé a décidé d'aimer son pays. Le Burkinabé a décidé de s'attacher à sa nation, de se battre pour sa nation. C'est ce qui vous énerve. Le fait que le Burkinabé aime plus son pays que la Côte d'Ivoire, c'est un problème. Le fait que le Burkinabé voit que Ouattara ne regarde pas dans la même vision que ce qui peut arranger son pays. Et aujourd'hui, il se démarque de Ouattara. Il se démarque de la politique de Ouattara. C'est ce qui vous énerve. Aujourd'hui, le Burkinabé a pris conscience que tout ce que Ouattara lui a fait, tout ce que vous leur avez dit, c'était une manipulation. C'était une manipulation. Ça ne peut plus marcher. Dis aujourd'hui au Burkinabé, Gbagbo a tué tes parents, Gbagbo a tué ceci, c'est Ouattara qui t'a sauvé. Ça ne peut plus marcher. Johnny Pacheco, ce langage-là ne peut plus marcher. Ça ne peut plus prendre quelqu'un. Mais mon frère, tu es mal placé de tenir un tel discours. Parce que je t'ai vu dans tous tes... Tu cries sur les Burkinabés. Et tu les as même dit qu'ils sont maudits. Ta vidéo, je n'ai pas envie de la montrer. Mais toi, tu sais ce que tu as dit. Mais vous êtes maudits. Gbagbo Laurent qui vous tuait hier. Gbagbo Laurent qui vous tuait hier. Aujourd'hui, c'est Ouattara vous insulter. Et ce que tu leur as dit. Mais Johnny Pacheco, si on insulte quelqu'un, on a insulté quelqu'un hier, et qu'aujourd'hui on l'insulte plus, qu'on est d'accord avec lui, on est maudit. C'est que toi, Johnny, tu es maudit. Parce que Ouattara, pour qui tu dis aux Burkinabés qu'ils sont maudits, c'est toi qui l'insultais hier. C'est toi qui as dit à tout le monde ici, la façon dont... Moi, je le dis toujours à qui veut l'attendre. Parce que nous, on était au pays. On ne pouvait pas faire vidéo. On avait peur. Toi, Johnny Pacheco, tu étais en Europe ici, tu faisais des vidéos. Nous tous, on suivait tes vidéos. Toi, Johnny Pacheco, la façon dont tu as insulté Ouattara et ses suiveurs sur la toile, il n'y a pas encore un cyberactiviste qui l'a fait. Mais donc, tu es maudit. Tu es maudit. Si aujourd'hui, tu penses que les Burkinabés insultent Ouattara au profit de Gbagbo Laurent, si pour ça ils sont maudits, mais toi Johnny Pacheco, tu es donc maudit. Parce qu'aujourd'hui tu insultes Gbagbo Laurent au profit de Ouattara. Donc si ça, ça coûte une malédiction, mais toi Johnny Pacheco, tu es maudit. Tu es maudit. Partagez la vidéo et sécurisez-la. Je vous prie, tous les Africains est pris de paix, est pris de la justice, est pris de la liberté. Vous qui suivez notre vidéo, nos vidéos, le seul carburant que vous devez nous donner, c'est de partager nos vidéos. C'est de partager nos vidéos, c'est de les liker, de les sécuriser. Voilà. Vous comprenez? Johnny, ce son-là, il ne peut plus passer. Dire encore au Burkinabé, aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent qui vous tue.
Mais vous savez pourquoi ça ne peut pas passer? Ils ne sont pas bêtes. Considérons que dans cette guerre, ils ont perdu leurs parents. Les Maliens ont perdu leurs parents. Les Burkinabés ont perdu leurs parents. Qu'est-ce que Ouattara a fait pour eux? On est assis, on se regarde. La guerre, elle a tué les Ivoiriens. On les a comptés, on dit 3000 morts. C'est vous qui avez fait vos rapports avec l'ONU. Aujourd'hui, là, quelle est la justice qui est rendue? Quelle est la justice qui a été faite pour ces morts-là? Les Burkinabés que Babou a tués, les Maliens que Babou a tués, là. Qui a fait justice pour eux? Qui est-ce qui a fait justice pour eux? Dites-nous. 3000 morts, dit c'est Babou Laurent là qui les a tués. Brou jeté en prison. C'est ce qu'il vous expliquait hier. Et puis, je vais terminer par là sur cette petite fille à qui on a donné télévision. Et elle ne sait pas quoi dire. Donc c'est de Babou Laurent qui veut parler. Mais je n'aime pas trop parler de ces gens. Parce que plus on parle d'eux, on fait leur promotion. Parce que moi-même, je suis sur les réseaux sociaux ici et fait direct. Je suis plus populaire que ces gens-là. On connaît plus micro que ces gens-là. On connaît plus micro que ces petites filles. Vos journalistes d'aujourd'hui, là, on me connaît plus que. Ça, c'est ça, j'ai la vérité. Moi, je suis plus populaire que vos petits journalistes qui s'asseyent. J'attendais que Babou dit parle des choses. C'est toi qui vas attendre de ce que Babou va dire. Mais on va revenir dessus. Ce que le président Babou Laurent vous disait. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Je n'ai aucun soutien. Vous m'avez pris pour 3000 morts, on m'a jeté en prison. Là-bas, là, on dit que c'est la prison où on envoie les grands criminels. Crimes contre l'humanité et on l'envoyait là-bas. Les Burkinabés, là, ils ont dit, oh, au moins le gars qui nous a tués, là, il va faire prison. Au moins, ils vont rendre justice pour nous, pour nos parents. Les Maliens, là, ont dit, oh, le procès, là, est fini. Babou Laurent a été acquitté. Les Maliens, là, ils sont morts dans le cadeau. Puisque selon vous, on les a tués. Les Burkinabés, là, ils sont donc morts cadeau. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Babou qu'on avait accusé, là, il n'est pas resté en prison, il a été acquitté. Qui les a tués? Qu'est-ce que Ouattara a fait? Dites-nous. Parce que ça, ça ne peut plus. Vous allez encore revenir quand les gens parlent. Toi, Burkinabé, Babou a tué tes parents. Mais Johnny Pacheco, tu étais gendarme sous Babou Laurent. Babou n'a pas pris âme pour aller tuer sur le terrain. Donc si Babou a tué Burkinabé, c'est toi qui allais les tuer. Toi, gendarme de Babou, là, c'est toi qui allais tuer les Burkinabés. Tu comprends? Je vous dis, la sagesse, là, c'est comme les chrétiens s'asseyent et puis ils disent, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il faut prier pour la sagesse. Il faut être sage. Nous faisons la politique, mais soyons sages. Ce n'est pas tout on vient dire. Parce qu'il faut que je parle comme ça, ils vont savoir que moi, là, je cache rien et que je suis vraiment avec eux. Les Burkinabés vous ont fait quoi? Aujourd'hui, les Burkinabés sont lancés dans un combat. La libération de leur pays. Depuis des années, les terroristes les fatiguent. Il y a des villages qui n'existent plus au Burkina. Les Burkinabés ne mangent pas. Il y a des villages où il n'y a même pas la nourriture et les populations meurent. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est venu à la tête de leur pays. Il dit, moi, si je dois mourir, que je meurs. Je demande aux Burkinabés qui veulent me soutenir. Venez, on va faire face à cette guerre pour libérer notre pays. L'indépendance même, il n'a même pas considéré l'indépendance coloniale. Il dit, nous ne sommes pas indépendants. Battons-nous pour avoir, nous pour acquérir notre indépendance. Ça, là, ce n'est pas une indépendance. Les Burkinabés qui le soutiennent
sont avec lui, sont en train de se battre, sont en guerre au Burkina. Et puis, un Burkinabé de sang n'a qu'à chanter les éloges de Ouattara. Donc, comme eux, ils ont décidé d'aimer leur pays, ils ont décidé de faire le combat pour la libération de leur pays, ils ont un problème avec vous. Parce que eux, les Burkinabés, ils devaient être à votre solde. Ils devaient chanter les éloges de Ouattara. Quand Ouattara dit « Allons à gauche », ils vont aller à gauche. Quand Ouattara dit « À droite », ils vont aller à droite. Et comme ils le refusent, aujourd'hui, il faut leur dire « Burkinabé ne vous a pas dit qu'il aime Babou. Burkinabé ne vous a pas dit qu'il aime Babou. » Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui, le constat qui est clair, c'est que les choses ont changé. Et quand on vous disait que le 6 est devenu 9, vous pensiez à une guerre, vous pensiez à autre chose. Non. C'est qu'aujourd'hui, là, Babo Laurent peut aller au Burkina sans problème. Ouattara ne peut pas aller là-bas. Aujourd'hui, quand Babo va au Burkina, la population qui va l'accueillir, ce n'est pas la même population qui va accueillir Ouattara. Vous voyez, après 10 ans, les choses se sont améliorées. La vérité est connue. Parmi 10 Burkinabés hier qui étaient prêts à chier Babo, à l'insulter, tu vas voir peut-être ces deux qui restent. Il y a 8 qui sont à côté qui sont plus prêts à insulter Babo Laurent, qui ont compris. Qui ont compris. Tu vas mettre 10 Burkinabés aujourd'hui ici. Je ne te parle des Burkinabés. Je ne vous ai pas dit vos. Nos frères Burkinabés sont venus en Côte d'Ivoire depuis des années. Ils ont fait des enfants qui se disent Ivoiriens. Qui, quand ils vont au Burkina, même ils se comportent comme des gens qui sont quittés aux États-Unis. Ce n'est pas d'eux que je parle, qui n'ont aucune conscience. Là. Moi, je ne parle pas d'eux. Mais je parle des hommes de ce pays qui est appelé le pays des hommes intègres. Qui, hier, se sont intéressés à la politique de Côte d'Ivoire parce qu'on les avait manipulés. On leur avait dit Babo est contre vos frères. Babo chasse vos frères. Aujourd'hui, là, ils ont vu la réalité en Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de voir la réalité en Côte d'Ivoire. Tu mets 10 Burkinabés là. Peut-être c'est 2 qui vont parler peut-être comme vous. Mais les 8 là, pour parler, ils vont réfléchir. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes assis là-bas. Quand vous montrez vos ponts, c'est des Burkinabés là, vous vous moquez. Quand vous montrez vos réalisations, c'est de ces Maliens-là que vous moquez. Quand vous montrez vos réalisations, c'est de ces Guinéens-là que vous moquez. C'est eux qui ont été bêtes hier. Laissez leur pays venir se battre pour vous, prendre des armes. On n'a pas dit. Et c'est pour ça que dans le début de ma vidéo, j'ai demandé pardon au peuple burkinabé et aux autres. Parce que je n'ai pas dit on dit. Je dis en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vu les Burkinabés en armes, en tenue militaire, faire la guerre pour Ouattara en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens le savent. Vous comprenez? Tous les Ivoiriens le savent. Quand il y avait problème en Côte d'Ivoire, le Burkina, les jeunes Burkinabés, en grande majorité ont soutenu Ouattara et ses forces militaires. Même les vidéos qu'ils ont montrées pendant ce temps, ceux qui se battaient, qui étaient dans les forêts, parlaient, on va couper tête de Babo Laurent et tout ça, ce n'étaient pas les Ivoiriens. Tout ce que les gens prenaient au sud ici, Abidjan, dans les camions, dans des convois, des voitures, rentrant au Burkina Faso, sous les yeux des Ivoiriens. On est tous là, on a vu. Mais ces Burkinabés, là, aujourd'hui, ils ont compris. Aujourd'hui, ils ont compris. Là où ils ont besoin de vous, pour aller les aider, parce qu'ils sont en train de... Leur pays brûle. Vous moquez d'eux. Vous leur montrez des ponts. Vous montrez vos réalisations et vous vous moquez d'eux. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Hier, yeah. Vous disiez que vous, on vous tuait ici. Vous aviez problème avec Babo Laurent. Ils sont venus. Vous avez fait la guerre avec eux. Vous avez chassé Babo Laurent avec eux. Aujourd'hui, leur pays brûle.
aujourd'hui ils s'affrontent avec les terroristes. Au lieu d'aller les aider, vous vous êtes chez vous, vous riez, vous vous lavez sous les ponts, vous montrez les ponts et vous vous moquez d'eux. Et vous êtes rentré en guerre de communication avec eux, de pays qui est plus beau. Mais c'est vous qui venez de découvrir la Côte d'Ivoire. Mais nos frères, nos pays frères de la sous-région, eux-mêmes, ils savent, tu vas prendre le Niger, tu vas prendre la Guinée, tu vas prendre le Mali, tu vas prendre le Burkina. Ils savent que la Côte d'Ivoire dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a été toujours devant ces pays. Et ils savent, ça ne les surprend pas. Vous comprenez? Ça ne les surprend pas. C'est vous qui venez de découvrir une Côte d'Ivoire. Selon vous, c'est maintenant la Côte d'Ivoire est construite. C'est pourquoi nous autres, on vous dit, si les infrastructures mettaient un pays à l'abri d'une crise économique, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître de crise économique dans les années 90. Parce que selon les temps, la Côte d'Ivoire était déjà avancée avec des infrastructures que on ne trouvait pas dans la sous-région. Mais ça ne nous a pas empêché de tomber dans une crise économique depuis les années 90. Vous comprenez? La question que nous, on se pose aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train d'inaugurer les ponts. Abidjan devient joli. Mais comment est-ce que nous obtenons tout ça? C'est ça le problème. Nous, les Ivoiriens, c'est la question qu'on se pose. Parce que personne ne peut regarder le pont que vous venez d'inaugurer là, et puis on va dire qu'il n'est pas joli. On va dire qu'il n'ira pas beau à Abidjan. Mais moi, mon problème, Oufoué Boigny nous a fait aussi des ponts. Oufoué Boigny nous a fait des infrastructures. Oufoué Boigny nous a fait beaucoup de choses. Même sur le plan social, on a eu droit au logement de Sikoji, qu'il faut saluer. Parce que ça a permis même aux petits fonctionnaires, dans le temps d'avoir aujourd'hui à la retraite, tu t'en vas. Mon papa a laissé mes soins à la Sikoji. Ça a permis à nos mamans, à nos papas d'avant, d'avoir au moins une maison. C'est une très bonne politique. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire, toutes ces infrastructures-là, ont mis la Côte d'Ivoire à l'abri d'une crise économique? Non. Parce que la façon dont nous avons acquis ces infrastructures-là ne nous profitait pas. C'est cette politique-là que nous combattons. Parce qu'à un moment donné, on dit chez nous, quand le serpent t'a mordu, même le ver de terre, tu le vois et puis tu as peur. S'il faut encore avoir des ponts, des infrastructures, et demain encore, les gens vont venir nous dire, comme vous nous devez, vous ne pouvez plus faire ça, vous n'allez plus ça, et puis on va encore souffrir. Voici ce que nous déplorons. Voici ce que nous déplorons. Parce que un pays qui en 2010 n'avait pratiquement pas de crédit. En plus on avance, plus le crédit augmente. Or, dans la vie d'un homme, par exemple aujourd'hui, tu décides, tu dis, bon, moi je vais prendre un crédit à la banque. Mais si aujourd'hui la banque t'a donné 10 000 euros, c'est pour que tu réalises quelque chose qui va t'empêcher de ne plus prendre un crédit demain. C'est comme ça. Mais si tu prends dans la banque B 10 000 euros, tu t'en vas encore dans la banque A, tu vas aller prendre 10 000 euros. En 2022, tu devais 10 000 euros. On est en 2023, tu dois 20 000 euros. Mais ça veut dire que tu n'avances pas. Sans crédit, tu ne peux rien faire. Mais tu as pris crédit. Tu as travaillé. En 2010, tu as pris peut-être 15 000 euros. OK. 15 milliards d'euros que j'ai pris. 15 milliards de francs CFA que j'ai pris pour faire crédit. Aujourd'hui, on est en 2020. Sur les 15 milliards, on a quand même pu rembourser 5 000 milliards. Donc, nous, c'est 10 000 milliards qu'on doit. On va travailler avec. D'ici 3 ans encore, on va rembourser. Mais non, nous, ce n'est pas comme ça. On est fiers. On a pris 10 000 milliards hier,
Donner encore, les gens disent qu'ils peuvent nous donner et on est fiers de ça. Mais est-ce qu'on a pensé à la génération future? Est-ce qu'on a pensé à la génération future? C'est de ça qu'il s'agit. Voici nos pleurs. Non, c'est à vous de nous rassurer, c'est tout. C'est à vous de nous rassurer. C'est comme un enfant. Votre papa a vécu. Il n'a pas construit des maisons. Et le père, malheureusement, il n'est plus. Et toi, on te voit, tu bâtis la maison. Une maison jolie, tout. Et tu es là, tu te demandes de papa. Papa est resté ici des années, il n'a même pas construit maison. Or, toi, c'est crédit que tu as pris pour construire maison. C'est crédit là, ton papa là, il ne voulait pas prendre. C'est pourquoi il n'a pas construit de maison. Ton papa ne voulait pas prendre crédit, c'est pourquoi il n'a pas construit de maison. Toi, tu as construit une maison et un crédit et tu te demandes de ton papa. Comme si c'est le champ de ton papa qui gérait là. Que tu as pris et après sa mort, toi tu as géré, tu as su gérer pour pouvoir construire une maison. C'est pas ce que tu as fait. Ton papa avait champ. Son champ là, ce qu'il gagnait ne lui permettait pas de construire une bonne maison. Donc il n'a pas construit de maison. Il meurt. Après lui, toi tu gères ses affaires. Un an après, on voit que tu as construit une très belle maison. Ah, mon papa n'a pas construit une maison. On fouille. On voit deux jours après, champ là, cacao là, on va cueillir, les gens bloquent. Ah, on va aller vendre notre cacao. Non, vous ne pouvez pas vendre votre frère, grand frère qui a pris la place de votre papa là. Maison où vous vivez là. C'est avec nous, il a pris l'argent pour construire. C'est crédit, il a pris. Donc, votre cacao là, nous, on met main dessus, vous ne pouvez pas vendre. Parce qu'il nous doit. C'est ça là, ton papa, lui, il ne voulait pas. C'est à cause de ça, il n'a pas construit maison. C'est pourquoi il n'a pas vécu dans une bonne maison. Vous comprenez? C'est bien bon. C'est comme on est en Europe ici. Tu peux te lever, aller dans ta banque tout de suite. Tu dis, je veux une voiture de 20 000 euros. Tu travailles, tu as un contrat. Même, on n'a qu'à te payer 1 000 euros. Même 800 euros, ta banque va te donner. Si tu veux payer, par exemple, moi, je suis en Italie. Je vais payer voiture en Italie ici. J'ai un contrat qu'on appelle CDI ici. Mon salaire n'a qu'être 700 euros. Tant que les gens, s'ils font leur calcul qu'ils doivent me couper 120 euros ou bien 150 euros par mois. Si je veux voiture de 15 000 euros, je veux voiture de 17 000 euros, les 4x4, les belles voitures, ils vont me donner crédit, je vais aller prendre la voiture. Je roule dans une belle voiture. Mais sur mon salaire de 800 euros, on me coupe 200 euros chaque fin du mois. Et il y a un qui roule, comme nous on a les petites voitures, je roule ma petite voiture ici. Et toi tu es dans ta grosse voiture. Moi, je n'ai pas pris crédit pour payer ma petite voiture. On n'a pas la même chose. Ah, lui là, il est en Europe, ses camarades ont des belles voitures. Et lui, il a une petite voiture. Oui, ma petite voiture, je ne l'ai pas prise en crédit. Lui qui a pris crédit pour rouler dans la grosse voiture, et moi qui roule dans la petite voiture, je suis plus à l'aise que lui. Vous comprenez? Donc, nous, la question, les questions qu'on se pose, voici ça, c'est à vous de nous rassurer. Donc, les Burkinabés que vous insultez aujourd'hui, et vous ont fait quoi? Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Burkina fait face à une difficulté. Donc tous les Burkinabés sont mobilisés pour faire face à leurs difficultés. Donc aujourd'hui, là, toi qui ne peux pas les aider, tu ne les arranges pas. Le discours que Ouattara tient n'est plus le discours des Burkinabés d'aujourd'hui. Le discours que Ouattara fait n'est pas le discours des Burkinabés d'aujourd'hui. Vous comprenez? Les Burkinabés ont décidé d'aimer leur pays. Les Burkinabés ont décidé d'aimer leur pays que vous appelez pourriture. Les Burkinabés ont décidé d'aimer leur pays qui est sans pont. Les Burkinabés ont décidé d'aimer leur pays qui est rempli de poussière. Les Burkinabés ont décidé d'aimer leur pays qui n'en connaît aucun développement. Ils ont décidé de se battre devant leurs difficultés. Ça vous fait mal?
ça vous fait mal. Parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé encore d'aller faire guerre au Niger. Et les Burkinabés ne sont plus prêts à vous suivre là-bas. Parce que Ouattara a parlé. Les Burkinabés devaient être avec le roi a parlé. Et les Burkinabés disent, on n'est pas avec vous. Il faut leur rappeler qu'il y a quelqu'un qu'on appelait Babo qui les a tués. Ils ne sont pas bêtes. Votre discours, ça ne peut plus passer. Parce que Babo n'a pas tué les Burkinabés. Le président Babo Laurent n'a aucun problème avec les Burkinabés. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo n'a pas de problème avec les Burkinabés. Il faut que vous le compreniez. Il faut vraiment le comprendre. Johnny Pacheco, il faut le comprendre. Le Burkina, c'est une nation. Hier, il y a certains Burkinabés qui se sont mis dans la danse, qui ont été manipulés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant que Ouattara dit, je m'avais attaqué les nouvelles autorités de Burkina, Anévé Bazoum, le dirigeant burkinabé aujourd'hui, dit Ouattara, si tu as attaqué Bazoum, c'est moi que tu as attaqué. Et si tu as attaqué Niger, c'est moi que tu as attaqué. Si tu as attaqué les nouvelles autorités du Niger, il faut que tu saches que c'est à moi que tu fais la guerre. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal. Vous savez, nous on n'était pas encore nés, mais l'histoire l'a tué. Les vrais Burkinabés, là, moi je dis, c'est pourquoi on les appelle pays intègres. La petite histoire de l'Afrique. Oufoué Boigny, comme vous le dit, papa Oufoué, c'est un fruit des Français. Et quand ils ont commencé au début, Oufoué Boigny, là, dans l'Assemblée française, il représentait la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il représentait la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et à un moment donné, les Burkinabés se sont réunis, ils ont dit non. Nous, nous sommes un peuple à part. La Côte d'Ivoire est à part. Oufoué ne peut pas. Ils ont écrit aux Français pour dire Oufoué ne peut pas nous représenter. Renseignez-vous. Ils ont écrit aux Français pour leur dire Oufoué Boigny ne peut pas nous représenter là-bas. Nous, là, nous sommes aussi. Nous sommes une nation. Nous sommes un peuple. On peut donner des gens qui vont nous représenter. Vous comprenez? Il y a eu des choses qui peuvent se passer entre nous, le Burkina, demain, les frères. Et il y a beaucoup de personnes que. Mais moi, je vous le dis, on ne peut pas s'asseoir en Côte d'Ivoire, on va dire Babo Laurent tue les Burkinabés. Mais les Burkinabés en Côte d'Ivoire sont dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Mais c'est la partie qui est dominée par Babo Laurent. C'est la partie où on trouve plus les partisans de Babo Laurent en Côte d'Ivoire que se trouvent les Burkinabés. Mais c'est ce que je vous rappelle toujours. Je vous dis, en 2002, quand les Ivoiriens sont chassés à Boaké, quand les Ivoiriens sont chassés au nord de la Côte d'Ivoire, tu es Guéré, tu es à Bé, tu es à Thié, tu es à Djougourou, tu es à Bidji, tu es à Thié, tu es Bété, tu es Dida, tu ne pouvais pas vivre dans le nord de la Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas vivre à Boaké. Ceux qui n'ont pas eu la chance sont morts, nombreux. Ceux qui ont pu fuir, passer dans les forêts. Aujourd'hui, nous, on a des parents qui ont les séquelles. Qui ont des séquelles. Moi, j'ai mon frère. Il était enseignant, insisteur. Il dit, il ne veut plus, il veut être pasteur. Il est là. C'est la chance qui a fait que mon frère, là, il existe encore. Ils l'ont affecté dans un village vers le nord, là-bas. Quand il venait d'avoir son concours d'insisteur. De façon, il est arrivé jusqu'à là. C'est Dieu. Quand il vous rencontre son histoire, c'est pourquoi il a décidé de louer Dieu. C'est pourquoi il a décidé d'abandonner sa vie à Dieu. Parce que c'est un témoignage. Quelqu'un, ils ont tué les gens. Pour eux, tous, on les avait tués. Et il a réussi à sortir.
Parce qu'on les a mis à tas pour les tuer. Quand vous parlez, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas ce qu'on a vécu. Mais les gens qui les tuaient là, ils parlaient une langue. Les gens qui les tuaient là, on les entendait parler. J'ai un autre oncle. Lui, il était agent des eaux et forêts, officier des agents eaux et forêts. Son pied même sur, dans lequel ils ont tiré, il vit avec cette séquelle-là, il est à Abidjan. Mais les gens qui l'ont tué, c'est un officier. Il sait qui c'est. Tous ceux qui fuyaient de Boaké, qui fuyaient de l'autre, qui venaient, savaient qui était en armes là-bas. Et les gens sont venus au sud ici, dans leur village. On les appelait les DG, les déplacés de guerre dans leur propre village. Mais dans ces villages-là, nous vivions avec les Burkinabés. Dans ces villages-là, nous vivions avec nos frères Djoula. Nous vivions avec tous ceux qui étaient en armes que nous chassions dans ces localités-là. On vivait avec eux. On n'a pas appris au sud ici que comme c'est ceux-là qui sont en armes là-bas et puis nous chassent, on va leur créer des problèmes ici. En 2002, jusqu'on a vécu en Côte d'Ivoire. Il n'y avait plus de lycée dans ces villes. Il n'y avait plus d'école dans ces villes. Le gouvernement de Babo Laurent a pris les dispositions pour trouver des partenaires, les fondateurs des écoles privées, pour faire des lycées dans des écoles privées. Mais tous les enfants qui venaient à l'école ici, il y avait des djoulas dedans, il y avait des enfants des djoulas dedans. On ne les chassait pas dans les écoles pour dire, c'est vos parents qui sont en armes là-bas et puis ils ont chassé. Vous, on ne vous prend pas dans les écoles ici. Aujourd'hui, parmi vous qui êtes les militants du RHDP, qui portez les noms Djoula, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont le bac de 2002? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont le BPC de 2002? Est-ce qu'il n'y a pas vos enfants qui ont eu l'entrée en 6e en 2002, mais qui étaient inscrits à Boaké, qui étaient inscrits à Korogo, qui étaient inscrits à Man, qui étaient inscrits à Boundiali? Mais qui ont pu avoir le bac parce qu'ils sont venus dans le sud, la partie gouvernementale que gérait Babo Laurent. Vous ne les avez pas parmi vous. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit j'ai eu mon bac en 2002. Hein? Donc, Babo Laurent n'a pas tué. C'est des choses que vous avez fabriquées. Parce qu'il fallait passer par là pour être là où vous êtes. Donc, vous êtes encore au pouvoir là. Vous voulez encore manipuler les gens. Parce qu'aujourd'hui, ça devient dur sur vous. Les choses se ferment sur vous. Ça ne peut plus passer. Ça ne peut pas passer. Vous comprenez? Montez le mercure, partagez la vidéo, sécurisez la vidéo, je vous en prie. Il faut qu'on le... Moi, vous voyez là, je n'insulte personne. Mais les faits là, c'est ce que j'ai dit. Je vous parle de la Côte d'Ivoire. Je vous parle de la Côte d'Ivoire. Le malheur qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a tué des milliers d'Ivoiriens, a été préparé au Burkina, on le sait. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus préparer un coup à partir du Burkina pour avoir la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de cette Afrique-là qu'on rêve. C'est de cette Afrique-là qu'on se bat. Une Afrique où un pays ne peut pas servir de base arrière pour venir attaquer un autre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les Africains sont en train de se réveiller. C'est vous qui êtes encore derrière. Vous voyez que c'est à nous, vous n'avez plus affaire à nous seuls. Vous voyez que n'importe qui se lève en Afrique ici et puis ensuite Ouattara. Avant, vous aviez affaire au pro-Babo. Si quelqu'un parlait mal de Babonet et de Ouattara, il était aujourd'hui là. C'est-à-dire, tous ceux qui parlent de Ouattara, vous pensez que c'est des gens qui ont l'amour de Babo Laurent, qui aiment Babo, qui connaissent Babo. Tu vas au Niger, tu vas au Mali, tu vas au Burkina, tu vas en Guinée, partout. Tout petit, les gens, ils ont le nom de Ouattara dans la bouche. Parce que vous ne cherchez pas à vous actualiser. Vous ne cherchez pas à comprendre l'actualité en Côte d'Ivoire. Les coups d'État qui sont là, vous ne vous asseyez pas. C'est ce que Bleu Goudé vous a dit. Vous ne cherchez pas à comprendre les coups d'État là. Comment les coups d'État viennent? On est resté au Mali là, il y a eu coup d'État.
Quelle a été la réaction du peuple? Au Burkina, le coup d'État. La Guinée, le coup d'État. Aujourd'hui, on parle du Niger. Et quand vous voyez les mêmes réactions, les gens, ils s'attaquent aux Français. Et les Français, vous les voyez, si c'est un peuple qui nous considère au moins, qu'est-ce que nous demandons aux Français? Nous, on n'a pas dit qu'on n'aime pas les Français. Les Africains n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas collaborer avec les Français. On demande juste aux Français de changer leur façon de collaborer avec nous. Donc, si les Français nous considèrent, c'est de changer leur coopération. Mais ce n'est pas d'utiliser la force pour venir nous attaquer. Ils ne veulent pas qu'on collabore avec d'autres personnes. Mais changez votre manière de faire. Ce que nous, on veut, écoutez ça et puis on va discuter et puis on va améliorer les choses. Mais vous ne pouvez pas nous imposer votre façon de faire. Sinon, on est libre de faire avec qui on veut. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas, c'est comme un homme qui est jaloux. Moi, oui, je suis là, je suis jaloux de mon épouse. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre lâche. Donc, ce qu'elle veut là, je vais faire. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre prenne ma femme. Ce que ma femme veut là, si je n'en ai pas, elle me met à genoux pour lui demander pardon. Pour qu'elle me comprenne. Alors, si on va au lit, qu'elle dit mon mari, je suis fatigué aujourd'hui, pardon, ne me touche pas. Je ne la touche pas. C'est ce qu'elle veut. Je ne veux pas qu'elle se fâche avec moi. Donc, je ne la touche pas. C'est la communication. Mais vous, ce qu'on vous demande, vous ne voulez pas faire. Comme vous avez des armes, comme vous êtes fort, vous voulez venir nous faire la guerre pour vous imposer. Ce que vous avez fait hier à nos parents pour venir récupérer l'Afrique, les yeux sont ouverts. Est-ce que vous voulez faire? Donc quand il y a des Africains qui se lèvent pour vous dire on ne veut plus ça, il y a des Africains qui sont là. Vous pensez que quand on dit non à la France et à Ouattara? Vous pensez que dans cette histoire qui se passe là, Ouattara même on ne le voit pas. Parce que Ouattara même il a ambition, c'est ce que vous ne savez pas. Il a ambition pour la France, s'il échoue demain, si la France voit que pour Ouattara il doit perdre tout demain, là, vous allez voir, ils vont le lâcher. On est ici, vous allez voir. C'est vous-même demain, vous allez insulter la France, on est ici. Les vidéos qu'on fait là, tout est là, hein. Regardons. Regardons. Regardons, on est là. Vous allez voir. Les Français, là, ils ne regardent que leur intérêt. Actuellement, là, CDAO a des problèmes. Or, la France veut se cacher derrière CDAO. CDAO, aujourd'hui, n'est plus unanime sur cette histoire du Niger. C'est clair. C'est parce que vous ne suivez pas les choses, l'évolution des choses. Les Français, là, vous ne pouvez pas les suivre jusqu'à la fin. Si vous voulez les suivre jusqu'à la fin, c'est que vous n'aimez pas l'Afrique. Ce que vous-même, là, vous n'êtes pas implanté. Vous n'êtes pas implanté en Afrique. Vous n'avez pas quelqu'un qui peut accepter vos idées en Afrique. Et si vous avez vos deux pieds dans le peuple, vous ne pouvez pas suivre les Français. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Élisée Visougro, c'est toi qui dois ouvrir tes yeux. Parce que quand on vous parle, vous avez toujours des choses à dire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, là, je ne suis pas allé à l'école. Mais j'ai pris le temps de connaître mon pays. Voilà. Quelqu'un ne peut pas m'arrêter pour dire la France n'est pas le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. De quel partenariat tu parles? Quel partenaire, toi, tu peux avoir et la France n'a pas sa main dedans? Qu'est-ce que vous appelez partenariat? Ton partenaire que tu as là, il est d'abord partenaire de la France pour qu'il soit ton partenaire. Quand il est partenaire de la Côte d'Ivoire, il est partenaire à la France. Est-ce que vous ne savez pas? La façon dont nous fonctionnons, là, celui qui est partenaire à la Côte d'Ivoire est partenaire à la France. On vous le dit. C'est de quel Côte d'Ivoire vous parlez même? Un pays qui n'a même pas son armée. Je l'ai dit ici la dernière fois. J'ai dit que sous Houphouët-Boigny,
La Côte d'Ivoire n'avait pas d'armée. Notre armée, là, c'était l'armée française. Tu vas voir les Ivoiriens, et que je salue nos papas. Ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école des Blancs. Ils ont étudié ce travail de militaire, là, théoriquement. Ils sont mûrs. Mais la Côte d'Ivoire, une armée qui pouvait dire on est prêt, on peut s'affronter, on peut faire la guerre. La Côte d'Ivoire n'avait pas cette armée-là sous le Fouboni. Parce que au fouet, Côte d'Ivoire, là, c'était pour France. Donc l'armée de Côte d'Ivoire qui protège la Côte d'Ivoire, c'était la France. Tu t'en vas dans nos états-majors, dans tous les bureaux militaires, tu vas trouver les Français. Moi, je vous parle des années 90, fin 90, c'est de ça que je vous parle. Je n'ai pas dit on dit. Moi, j'avais mon oncle qui était sous-chef d'état-major chargé des ressources humaines, paix à son âme. Et ceux qui me regardent, qui connaissent les militaires de Côte d'Ivoire, il s'appelait Dakourignagra Jean-Ephraim. Il était avant commandant du port du San Pedro. Après, ils l'ont nommé sous-chef d'état-major chargé des ressources humaines. Là. Et à cause de lui, j'ai parti à l'état-major. Vous comprenez? Tu t'en vas dans les bureaux, là, ce sont les Français qui sont là. Lui-même, quand ils l'ont nommé, là, il a décidé de faire une mission, une tournée dans les casernes pour voir l'effectif des militaires. Puisqu'il était le chef des ressources humaines. Mais c'est les Blancs, il allait faire la mission. C'est les Français, il allait faire la mission. Et puis vous nous dites, la France n'est pas le premier partenaire. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Aujourd'hui, là, ne vous inscrivez pas dans cette... Nos pays là vont rester comme ça. Nos parents vont mourir dans les villages. On va rester comme ça. Les Français même là, parmi eux, les Blancs là, ils nous parlent, nous les Africains. Voilà, deux jours là, ils font des émissions même sur le Niger. C'est l'uranium du Niger qui fait ceci, qui fait ceci. Voici ce que le Niger produit. Voici. Mais regardez le Niger. Aujourd'hui, on te fait le calcul, on te dit même au Niger, là, 90% des maisons sont des maisons où un être humain ne peut pas vivre. Pourtant, les gens prennent la richesse là. Donc, quand les Africains le disent, moi où je suis là, je vous le dis, hein, je dis, si nous les Africains, on décide de faire notre combat, c'est pourquoi le petit Ibrahim Traoré là, il me plaît. Il me plaît. Parce que lui, il parle, mais il ne met pas sur l'accent sur un partenaire extérieur dans ces choses. La Russie même dont on parle là, tu vas voir Ibrahim Traoré, c'est vrai. S'il peut avoir les moyens pour l'aider, mais il ne compte pas sur l'extérieur pour faire. Il compte sur, quand tu l'écoutes, il compte sur les Burkinabés. Et je prends mon temps, j'écoute Thomas Sangara et j'écoute Ibrahim. Ce matin, j'ai écouté le discours de Thomas Sangara où il disait, il allait à un sommet, je ne sais pas où, il y avait tous les présidents là et il leur a dit. Mais l'habit que j'ai porté là, c'est le coton. Ils ont fait ça. Il n'y a pas le fil d'Europe dedans. Ce que j'ai porté, moi et ma délégation, c'est au Burkina, on nous a habillés. Ce sont les Burkinabés qui ont fait nos habits qu'on a portés. Donc, l'Afrique, on peut être fort. Si on consomme ce que nous-mêmes nous produisons. Mais c'est cette politique-là que nous voulons aujourd'hui. C'est ce que nous voulons. Et c'est dans ça que nous mobilisons les Africains à s'inscrire. Et c'est pourquoi j'ai dit au début de ma vidéo, à ceux qui dont la voix porte, au jour d'aujourd'hui, là, arrêtons les marches devant les ambassades, faire les meetings, il faut arrêter ça. Levons-nous. S'il faut créer une banque, s'il faut être partenaire avec une banque, et donner le numéro partout. Chaque Africain qui veut aider les efforts des pays comme le Burkina, comme ce jeune Ibrahim Traoré là, on va mettre ici, il ne reste que 5 euros, 2 euros chaque mois dessus pour aider ces efforts. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut manifester notre panafricanisme. On a crié assez, on est fatigué. Parce que vers où on va là, c'est un combat de moyens. Les gens, ils savent qu'on n'a pas de moyens.
ils vont nous sévrer et quand on aura faim, on va encore venir vers eux. C'est comme ça. Quand on aura faim, on va encore venir vers eux. Vous comprenez? Excusez-moi, hein, parce que pendant que je suis en direct, ma femme m'envoie une vidéo où on dirait qu'il y a eu un accident sur la voiture, donc ça me fait quelque chose déjà. Je serai obligé d'arrêter la vidéo. Ouais, elle est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je t'ai prêt à arrêter ma vidéo parce que j'ai pensé que c'est un accident tu avais. Mais c'est quitté quoi? Non. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Un mur. D'accord. Moi, je n'ai pas encore dormi. Si je finis, je vais dormir. Ok. Merci, chef. On peut continuer. Elle est rentrée. Il y a eu plus de peur que de mal. Vous comprenez? Donc, il faut qu'aujourd'hui, on pense à ça. Des gens dont la voix porte. Il faut trouver ce mécanisme-là. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, même dans chaque département en Afrique, si vous êtes des enfants de Gagnoua, vous êtes des enfants de Korogo, vous êtes des enfants de Bandoukou, on ne peut pas tous attendre des choses de l'État. Parce que les gens même qui sont les gens de l'État, là, c'est pourquoi je vais parler rapidement dans cette vidéo à Mamadou Touré qui se dit ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire. Ils font des choses et où ils attendent en retour. C'est-à-dire, le bien de l'État, là, ils vous donnent. Mais en retour, ils attendent quelque chose. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, où nous sommes en 2023, les gouvernants ne donnent pas encore aux populations des mentalités de dire, toi, là, c'est toi que je sais, c'est ton travail que j'ai fait. Ce que j'ai fait, là, c'est pour toi. Mais quand ils font, il faut leur être redevable éternellement. En Afrique, ça n'existe pas encore. Il faut vraiment mener une vie communautaire. Il faut vivre en communauté pour aider, pour développer chez nous. Pour développer chez nous. Aujourd'hui, ce que le Burkina fait, à partir de mes vidéos, je ne suis pas... C'est pourquoi je dis souvent aux gens, moi, pour ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, si on dit les Burkinabés pleurent, moi, j'allais applaudir ma mère. Ça, j'allais applaudir. Parce que moi, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, ce que les frères Burkinabés sont venus faire en Côte d'Ivoire, dans ce que nous, on a vécu là. Si on dit le Burkina brûle, là, moi, j'allais m'asseoir pour dire, c'est bien fait pour eux. Mais j'ai dit non. Hier, les Burkinabés qui ont fait ça n'avaient pas compris. Donc, aujourd'hui, le combat que nous menions là, si les gens ont compris, il faut dire Dieu merci. Aujourd'hui, c'est que Ibrahim Traoré fait au Burkina. Je sais que demain, peut-être un matin, on va se réveiller, on va dire qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils vont utiliser même quelqu'un à côté de lui pour venir le tuer. Peut-être demain, ils vont dire qu'ils l'ont tué. Mais ce qu'il fait là, où aujourd'hui, il est en train de dire au Burkinabé, aujourd'hui, où il est en train de réduire les dépenses des ministres. Tu es ministre, tu es tant. Voici comment l'Afrique peut s'en sortir. Voici comment l'Afrique peut s'en sortir. Aujourd'hui, il y a la campagne en Côte d'Ivoire. Regardez les militants, les candidats du RHDP dans les villages qui viennent vous voir. Regardez les voitures. Regardez ce qu'ils font. Comment on peut s'en sortir? Je suis, mais demain que ce soit mon parti au pouvoir, mais voici des choses sur lesquelles je vais. Il faut réduire les charges des autorités. L'Afrique va s'en sortir. Les crédits, on prend, on va les réduire. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous comprenez? Donc, changeons notre façon de faire le combat. Changeons notre façon de faire le combat. Revoyons les choses. Aujourd'hui, pensons à nous organiser pour soutenir, pour mener des actions, pour soutenir des gens comme les Ibrahim Traoré, les gens comme les Assimi Goïta ont besoin de soutien. Vous comprenez? Ils ont besoin de beaucoup de soutien. Donc je voudrais dire vraiment à mes frères et sœurs militants du RDR, le Burkinabé d'aujourd'hui, là, ce n'est pas Babo Ilem, c'est son pays qu'il a décidé d'aimer. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler qu'ils ne parlent pas. Sinon, ce n'est pas Babo Ilem. Le Burkinabé aujourd'hui, il a compris que ses parents souffrent. Voici les Burkinabés qui sont en train de souffrir à Boaké, qui sont en train de souffrir en Côte d'Ivoire, qui sont chassés dans leur village et ils courent. Ils sont en exil. Aujourd'hui, quand les Burkinabés sont assis et ils attendent Ouattara dire, je vais donner bataillon pour aller se battre au Niger pour une histoire de démocratie. Et si même la guerre dure 3 mois, nous, on a les moyens financiers pour financer les militaires pour aller faire la guerre. Un Burkinabé qui est conscient que depuis des années, les terroristes tuent les Burkinabés, les militaires Burkinabés, les gendarmes Burkinabés, chassent les parents Burkinabés dans leur village. Et Ouattara parle comme ça. Mais le Burkinabé va s'asseoir pour dire, mais le monsieur là, tout ce qu'on a fait pour lui là, il ne pouvait pas donner bataillon là au Burkina, les moyens là au Burkina, pour que le Burkina puisse combattre le terrorisme. Mais juste pour installer, les Nigériens décident de changer leur régime. Et il n'y a pas de problème au Niger. Les Nigériens ne sont pas en train de se battre contre les militaires. Pour ça, lui, il a l'argent pour envoyer un bataillon au Niger. Pendant que nous, les Burkinabés, on souffre ici, les terroristes nous tuent. Mais eux, ils sont conscients. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils réfléchissent et ils voient. Ils ont vu que ce gars-là, c'est lui, ses intérêts qui l'intéressent. Quand ils s'asseyent et puis disent, quand Ouattara s'assoit et puis il dit, pour ces gens de l'insécurité dans la sous-région, tant, mais c'est pourquoi? L'insécurité dont il parle, c'est quoi? Il s'est dit que si le Burkina, il ne maîtrise pas, il ne maîtrise pas le Mali, il ne maîtrise pas le Niger, les gens vont un matin venir sur lui. Donc, c'est ça qui est leur problème. Eux, ils veulent maintenir leur pouvoir. Ils se battent pour leur pouvoir. Ce n'est pas pour les populations qui se battent. Ils vont aller au Niger, là, c'est pour tuer les gens. C'est pour tuer les innocents. Pour atteindre leur objectif. Parce que nous, là, on ne les intéresse pas. C'est leur pouvoir qui les intéresse. Sinon, ce qui se passe entièrement au Niger, c'est quelqu'un qui pense que la mort des populations lui dit quelque chose, ne peut pas vouloir aller faire la guerre au Niger. Aujourd'hui, là, c'est de faire la diplomatie. Hier, au Mali, là, c'est un putschiste qui a pris 49 soldats. Est-ce que vous êtes parti faire la guerre avant? C'est un putschiste qui a attrapé 49 soldats au Mali. Est-ce que Ouattara allait faire la guerre? Mais il a parlé de diplomatie. On ne peut pas faire diplomatie au Niger. Pour que même si on ne peut même plus réinstaller Bazoum, on puisse au moins l'arriver au Niger pour qu'il soit quelque part en sécurité. On ne peut pas faire ça. Comment il s'appelle? Blaise Compaoré, qui a fait beaucoup pour Ouattara pour qu'il soit aujourd'hui président. Ils l'ont chassé du pouvoir. Il a accepté, il est assis là. Il a envoyé bataillon pour aller se battre pour lui, même s'il l'a fait en cachette. Et on vous dit hier, les 49 soldats au Mali étaient partis pour quelque chose. Vous dites qu'ils ne sont pas partis pour quelque chose.
Mais c'est le travail, ça là, vous voulez faire là-bas. Même combat, vous voulez faire au Niger, c'est ça que vous vouliez faire au Mali. C'est parce que ça n'a pas marché. Donc laissez les Burkinabés après. Les Burkinabés aujourd'hui qui se tapent la poitrine d'être Burkinabés et qui veulent faire face à leurs difficultés, là, laissez-les en paix. Ce n'est pas Babo Izel. Donc ne faites pas aujourd'hui les comparaisons. Vous insultez Ouattara et puis Babo qui vous a tué. Ce n'est pas Babo Izel. Ils ont mis Ouattara dans leur bouche parce que c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire et c'est lui qui veut aller faire guerre au Niger. C'est pourquoi les Burkinabés parlent de lui. Ce n'est pas une histoire de comparaison entre Ouattara et Babo Laurent. Ouattara n'a pas dit va faire bataillon pour aller se battre contre Babo. Et puis les Burkinabés vont soutenir Babo Laurent pour laisser Ouattara. Babo, il n'est plus à la page. Il n'est pas au pouvoir. C'est la position Ouattara en tant que président qu'il a pris, que les Burkinabés critiquent. Donc, vous n'avez pas à leur dire, vous insultez Ouattara et Babo qui voulait vous tuer hier. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Est-ce que vous êtes des Africains? Vous dites intellectuel. Ouattara même, lui, il parle. Et ce qu'il dit là. C'est-à-dire, Ouattara même s'assoit là, il dit, on va aller libérer Bazoum pour le réinstaller. Ouattara donne le temps de la guerre, trois mois. Pendant ce temps, Bazoum est sous l'autorité des gens qu'il va aller attaquer pendant trois mois. Bazoum est dans la main des gens que Ouattara va commencer à attaquer et dont la guerre va durer trois mois. C'est-à-dire, c'est comme un film. Il va aller faire. Et ils savent qu'on les attaque pour Bazoum. Ils sont en train de les tuer à cause de Bazoum. Ils sont en train de les bombarder à cause de Bazoum. Et eux, ils ont Bazoum. Et ils attendent qu'on arrive pour dire, bon, voilà, vous avez gagné, tenez Bazoum, réinstallez-le. Et puis ceux qui sont restés, on les prend, on les met à prison et tout. Et même il leur dit, donc on va finir, on verra ce qu'on peut, on va demander à Bazoum de ne rien vous faire. Alors, et pendant ce temps, ils ont Bazoum, hein, et... Toi, tu parles comme ça. Ce n'est pas pour Bazoum que tu fais ton parent. Parce que quand toi, tu vas les bombarder, boule, ils savent que c'est à cause de Bazoum que tu viens. Non, Bazoum, même peut-être, ils ont fini déjà avec lui avant que tu n'arrives là-bas. Tu perds, puis eux, ils perdent. Toi, tu perds, ils perdent. Ton Bazoum, là, avant que tu n'arrives là, ce qu'ils veulent faire avec lui, là, ils font avec lui. Et puis, on va voir qui tu vas prendre pour réinstaller. Là. Parce que eux, ils sont bêtes. Donc, toi, tu les bombardes et puis ils t'attendent. Avec Bazoum. Après, quand tu arrives à la porte, on dit, ils sont, tes gars sont venus, il faut partir. Je sais pas. Peut-être que c'est moi, comme je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas réfléchir, peut-être. On ne fait pas ça. Donc, les Burkinabés, c'est l'actualité, c'est la situation. Les Maliens, c'est la situation qui prévaut aujourd'hui en Afrique, ils analysent. Et la position que Ouattara a par rapport à cette situation-là, c'est ça qui amène les Maliens et les Burkinabés à critiquer ce que Ouattara fait. Donc, Babo n'a rien à voir avec. Babo n'a rien à voir avec. Vous comprenez? Les Maliens et les Burkinabés aujourd'hui, ont décidé d'aimer leur pays. Ont décidé d'aimer des gens qui aiment plus l'Afrique. Ont décidé de ne plus coopérer avec des gens qui coopèrent avec les impérialistes. Voici dans quoi ils sont. Ça n'a rien à voir, Babo. Il faut écouter leur discours. Il faut écouter leurs médias. Il faut écouter leur communication. Ça n'a rien à voir, Babo. Donc, si vous voyez que c'est Babo qu'ils aiment plus que Ouattara, c'est à vous de voir. Et c'est à vous de vous poser des questions. C'est-à-dire que hier, ce que vous leur avez dit, là, ils viennent de découvrir que c'est faux. Parce que quelqu'un ne peut pas aimer son tueur.
Quelqu'un ne peut pas aimer son tueur. Nous, on a vu ici des manifestations au Mali où les gens ont mis des banderoles où il y a Babo dessus. Nous, on ne sait pas comment ça s'est passé. Nous, on sait qu'en Afrique, ici, là, on dit Babo tue les Maliens, on dit Babo tue les Burkinabés, on dit Babo tue les Guinéens. Comment se fait que, pendant que les Maliens se croisent pour l'amour de leur pays, il y a le nom de Babo qui sort là-bas? Mais ce n'est pas nous. Qu'est-ce que vous leur avez dit hier? Pour qu'ils se rendent compte aujourd'hui que ce n'est pas Babo Laurent qui est leur tué. C'est de ça qu'il s'agit. Les Burkinabés, ils sont assis. Ils vous regardent. Vous montrez votre développement. Vous vous moquez d'eux. On a même vu une photo d'une petite fille ici, là, que j'ai commentée. Elle va au Burkina. Elle filme les maisons à Banco. Et puis elle se moque des Burkinabés étant au Burkina. Les Burkina, à un moment donné. C'est vrai, on est en Côte d'Ivoire là. Le Burkinabé va dire je suis ivoirien, il va parler, mais dans le cœur là-bas intérieurement, il sait qu'il est Burkinabé. Aujourd'hui, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, ne peuvent pas parler, mais intérieurement, ils savent, ils ont l'amour de leur pays, ils savent ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à un moment donné, soyons réalistes, ayons les pieds sur terre. Ayons les pieds sur terre. C'est de cette Afrique-là que nous parlons. C'est de la Côte d'Ivoire, la même Côte d'Ivoire. Parce que moi, je ne sais pas. S'il y a un pont en Côte d'Ivoire, toi, le militant du RDR, tu penses que c'est à toi seul le pont-là profite. Mais s'il y a un pont en Côte d'Ivoire, s'il y a un truc qui a été fait en Côte d'Ivoire, que c'est pour la Côte d'Ivoire, mais c'est pour nous tous. Parce que quand je vous entends parler, on dirait que c'est pour vos choses et ça n'appartient pas aux autres Ivoiriens qui ne sont pas RHDP. Ce qui appartient à la Côte d'Ivoire m'appartient. Il faut que vous le sachiez. Ça fait 12 ans que Ouattara gère la Côte d'Ivoire. 12 ans. Voici, on est en campagne régionale dans les localités de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de route. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Les voitures qui vont là-bas sur les voies dans les villages. Là. Vous voyez les routes. Vous voyez les routes, vous voyez la réalité. Voici le ministre de la jeunesse, Mamadou Touré. Parce que dans la vie, quand tu es une autorité, quand tu es conscient, ce n'est pas tout qu'on dit dans le public. Ce n'est pas tout qu'on dit dans le public. J'entends les gens dire il allait mettre l'eau dans le village de Stéphane Kipré. Vous savez, asseyons-nous et apprenons les affaires de l'État avant de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. Je vous dis toujours une chose. Lisez, c'est vous qui êtes au pouvoir, lisez la constitution de Côte d'Ivoire. C'est important. Mamadou Touré, c'est un ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Un ministre de la Nation. Il est le ministre de la Jeunesse. Il va dans un village. Aujourd'hui, où il est en campagne, c'est là qu'il veut mettre forage dans un village. S'il y a eu les réactions, la réaction des populations, il faut négocier avec les populations pour réaliser le projet. Tu leur montres la portée du projet. Parce que quand toi, tu le fais ou non, parce que tu es ministre, c'est l'État qui le fait. Oui, on n'a pas besoin d'attendre campagne pour donner forage à un village. Donc, c'est même d'ailleurs pas bien que dans un village, on dit, c'est une fille, chez nous au pays Bété. Une fille qui est dans le village, c'est elle qui donne un site où on va faire quelque chose de tout le village.
cette histoire qui est sur les réseaux sociaux, écoutez-moi très bien. Je vais vous faire mon commentaire. Chez nous, là, à l'ouest, même au nord, là-bas où vous êtes, là, vous savez, ce n'est pas une fille qui va dire aux autorités, faites l'eau là, creusez ici pour faire l'eau. Ce n'est pas son gars qui est venu pour donner l'eau. Ce n'est pas son gars qui est venu pour donner l'eau. Le chef du village, j'ai entendu la fille dire que oui, le chef du village a dit, on va faire l'eau ici et puis... Les gens ne voulaient pas qu'on fasse l'eau là, c'est là moi j'ai dit. Mais si le chef du village dit on a qu'à faire l'eau ici, et que les gens ne veulent pas, c'est toi, fille du village là, tu as dit on a qu'à faire l'eau ici, et puis ils vont faire. Hein? Avant de venir prendre la fille et à ton meeting parler d'elle, il faut d'abord avoir le contour de tout ce problème. Elle travaille, tu es venu dire aux gens qu'elle travaillait pour Pierre Kipré et pour Stéphane Kipré. Et comme Stéphane, elle a donné un site pour qu'on fasse l'eau, Stéphane Kipré l'a chassé, l'a renvoyé de son travail. Tu es ministre de la République. Science tenante, Stéphane Kipré l'a chassé là. C'est comme on chasse un crapaud et il tombe dans l'eau. Donc toi, c'est de chez toi qu'elle est tombée. Le lundi qui suit, tu vas lui donner du boulot. Quand je vois ces gens de trous, je pleure pour l'Afrique. Je pleure pour l'Afrique. Je dis que, et nous les jeunes Africains, ces gens d'action, on va applaudir ça, on va dire oui, c'est bon. C'est comme hier. Le directeur général de la LONASI qui s'assoit sur les réseaux sociaux et qui dit en Côte d'Ivoire, le premier au bac, je lui donne 1 million. Du deuxième au cinquième, je donne 500 000. C'est très bon, c'est une bonne parole. Et nous tous, on a aimé. Mais pour ce qu'il est, directeur général de la LONASI, qui est une société de l'État qui dirige, on ne fait pas ce qu'il a fait. Parce que quand il parle, c'est à son propre nom. Moi, je vais me demander, mais le directeur général, il est payé à combien? Pour que lui, il donne 3 millions, lui seul, aux élèves. Il y a cette question-là que je peux me poser. Donc, s'il peut même faire une telle action, c'est lui qui est le directeur général. Il peut proposer ça à la structure qui dirige, pour que ça soit l'action de la structure. Mais lui, ça devient son action personnelle. Mais s'il veut aussi faire une telle action, d'abord, avec son bureau, il dit par exemple à sa secrétaire, je veux vraiment encourager les enfants qui ont bien travaillé, donc l'excellence, rentre en contact avec le ministère de tutelle, la direction des concours et des examens. Pourquoi on m'envoie les coordonnées de l'enfant qui a été le premier au bac et du deuxième au cinquième, comme avoir les coordonnées, je vais rentrer en contact avec eux pour les récompenser. Cette partie-là, ça passe et on gère tout. C'est le jour où il récompense les enfants. Caméra est devant lui et il peut dire un discours d'encouragement et c'est ce que nous, on peut voir sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas nous faire un discours et puis attaquer la petite Burkinabé qui a fait son Aïcha trembler là-bas et qu'on veut faire venir en Côte d'Ivoire. L'attaquer, elle qui a fait Aïcha trembler pendant ses vacances-là. Quel impact ça a sur l'éducation d'un enfant, un élève en Côte d'Ivoire? Pendant qu'en Côte d'Ivoire, tu as géré les buzz, comme les buzz de DJ Congélateur, comme les buzz de manager confirmé, comme les buzz, je ne sais quoi, en Côte d'Ivoire pendant la rentrée scolaire. Tu n'as pas levé un doigt. Tu n'as pas levé un doigt. Tu as venu nous dire, je n'ai rien contre cette petite-là, mais les choses qu'il faut encourager, c'est l'excellence. C'est aujourd'hui tu te réveilles, c'est aujourd'hui tu prends conscience. J'ai repris la vidéo.
Mais les gens n'ont pas compris. J'ai repris la vidéo, mais les gens n'ont pas compris. On parle de l'État. Ce qu'il a fait, là, soit au PPACI n'a qu'à être au pouvoir demain. Un directeur général qui est du PPACI le fait, je lui dirai les mêmes choses. Mon directeur, tu veux encourager l'excellence là? Est-ce qu'on a besoin de faire SOS pour trouver les enfants sur Facebook? Moi, je vous ai dit, je suis ici. Là. Je suis dans une association qu'on appelle Gognoua. Le 12, là, on était à du pays Balignon, où on a récompensé le meilleur au bac du département de Gagnoua, meilleur au BPC du département de Gagnoua, meilleur à l'entrée en 6e du département de Gagnoua. On n'a pas fait SOS, parce qu'on sait où trouver les coordonnées de ces enfants. La Côte d'Ivoire est organisée. Vous comprenez? Tu fais SOS, parce que tu veux ton nom. Tu veux que tout le monde sache que tu veux donner 3 millions à l'excellence. Mais tu oublies que tu es un directeur général de Ouattara et c'est Ouattara qui est au pouvoir. Donc, si tu veux faire des propositions, tu les fais dans le calme pour dire, mais notre télévision parle trop de choses qui n'encouragent pas, qui ne fait pas bien pour l'éducation des enfants. Et en bas, tu fais des trucs, tu ne peux pas venir faire ce genre de vidéo. C'est ridicule. J'ai mis exprès sur mon trou pour l'encourager. Et après, j'ai fait une vidéo à la suite. Mais c'est profond ce que j'ai dit. Cherchons la sagesse, c'est important. Les militants du RHDP, sachez que le pays, là, c'est pour nous tous. Voilà. Tout ce que vous faites, là, c'est pour nous tous. C'est pourquoi on est inquiet, c'est pourquoi on parle. Parce que dans la vie, il y a des gens, c'est tout ce qui brille, tout ce qui est l'argent qui les intéresse. Comment on gagne l'argent là, comment on vient, on obtient ça, ce n'est pas leur problème. Seulement lui là, on le voit, il est riche, il les intéresse. Toi qui es pauvre là, tu ne leur dis rien. Quand tu leur parles, ils ne peuvent pas t'écouter. De ça qu'il s'agit. Il y a un problème. On se lève, on parle. Et quand on se dit RHDP, on se dit Pro Ouattara, on se dit que on est trop intelligent, on a trop raison. Quand on parle sur les réseaux sociaux, on peut dire tout ce qu'on veut, à qui on veut. Toi, Johnny Pacheco, tu peux regarder les Burkinabés pour leur dire qu'ils sont maudits. Tu peux regarder les Burkinabés pour leur dire qu'ils sont maudits. Toi, tu es mieux que les Burkinabés. Les Burkinabés, vous les avez juste manipulés pour leur mettre dans un truc. Mais les Burkinabés sont... Tu trouves un Burkinabé... Aujourd'hui, on est en Italie ici. Tu trouves un Burkinabé qui a vécu en Côte d'Ivoire. Il te dit, je connais Lakota jusqu'à Tikourou. Et puis tu parles. Ils savent ce que la Côte d'Ivoire leur a donné. Aujourd'hui, Ouattara s'assoit. On parle. Tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo. On dit, des gens sont assis devant l'hôtel communal de Paris. Dans la vidéo que j'ai regardée, j'ai même coupé la vidéo. On était déjà la quatrième personne qu'on interrogeait dans cette manifestation des gens qui sont sans domicile. On était à la quatrième personne. Tous, non Doula, tous de la Côte d'Ivoire. Et c'est pas si vous qui nous parlez, vous qui nous insultez sous nos vidéos, je me demande si vous voyez cette souffrance-là aussi. Mais on a l'argent pour aller vers guerre au Niger. Mais on n'a pas l'argent pour un sursaut d'orgueil, pour dire, nous, en Côte d'Ivoire, on a des moyens. Pourquoi les Ivoiriens sont en train de souffrir dans les rues à Paris? Pourquoi les Ivoiriens sont en train de souffrir dans le désert? Pour prendre cet argent-là,
pour aller dans le désert là-bas, où les Ivoiriennes sont en train d'accoucher dans le désert là-bas, pour aller les chercher, pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara va s'asseoir, il va dire aux gens, celui qui a envie de revenir, un Ivoirien qui veut revenir en Côte d'Ivoire n'a qu'à revenir. Les gens, comme en Côte d'Ivoire, la main d'œuvre est élevée, et est un pays de transit, les gens d'autres pays là viennent ici, oui, mais vous pensez que les Burkinabés sont bêtes. Mais quand Ouattara parle comme ça, il parle de qui? Il parle des Burkinabés. Il parle des Maliens, il parle des Guinéens. Les gens de la sous-région là, ils prennent la Côte d'Ivoire comme un pays de transit, comme ici la main d'œuvre est forte, ils viennent ici, ils travaillent, quand ils ont l'argent, et puis ils vont en Europe, quand on leur demande, ils disent que je viens de la Côte d'Ivoire. Mais tu parles de qui? C'est d'eux tu parles. C'est d'eux tu parles. On dit les gens ont des passeports, tous ivoiriens ici. On vous demande, on demande aux autorités. Non, ils ne sont pas ivoiriens. Ils ont volé les passeports ivoiriens. Babo Laurent, même que vous dites, vous, il est tué, il n'a même pas parlé de ça. Babo Laurent n'a jamais dit que les gens volaient notre passeport. Vous êtes des autorités et vous dites qu'on vole notre passeport. Et la faute est à qui? Au voleur. Toi, tu es l'autorité. Et c'est toi qui dis que le passeport de ton pays, ou un passeport pour qu'il soit passeport, là, il faut que l'autorité le signe. On fournit les documents pour faire un passeport. Vous êtes assis, vous dites qu'on vole passeport. Mais quand nous on dit, des gens ont des faux documents. Quand on vous dit que sur la liste électorale, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens qui sont sur la liste électorale, c'est nous qui parlons mal. Mais si on peut voler un passeport, c'est le passeport là qu'on prend pour être sur la liste électorale. Vous, quand vous nous dites qu'on vole notre passeport, on n'a qu'à vous applaudir, vous parlez bien. Mais qui vole le passeport? C'est du Malien où vous parlez? C'est du Burkinabé où vous parlez? Vous pensez qu'ils sont bêtes? 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 Des autorités, vous dirigez un pays. Les gens partout, dans le désert, les gens meurent sur l'eau. On trouve passeport ivoirien. Tout le monde est ivoirien. Les Italiens ont fait ici. Tous ceux qui viennent en Italie ici, là, Côte d'Ivoire en premier. On vous le demande, rendez compte. Non, c'est des gens, ils volent le passeport ivoirien. C'est des gens comme la Côte d'Ivoire là. La main d'œuvre est élevée ici. Les gens de la sous-région là, la Côte d'Ivoire est un pays de transit. Ils passent ici et puis ils vont dans les pays là. Et tout ce qu'on leur demande, ils viennent de la Côte d'Ivoire. J'ai regardé une vidéo. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Peut-être pendant que je parle, des gens qui me regardent ont déjà vu ça. Ils avaient déjà interviewé 3 femmes, un jeune, tous des Djoulas. Une s'appelle Mariam Koulibaly, l'autre s'appelle je ne sais quoi, tant des Touré, les quoi, tous des Doula. Ils sont tous de la Côte d'Ivoire. Ils sont versés devant l'hôtel de ville de Paris. Parce que ils sont venus, ils ont demandé asile. Asile a échoué, donc on les a chassés. Ils n'ont pas de choses. Ils ont des enfants et ils sont remplis là. Ils ont des enfants. Ils sont remplis là. Il faut les loger. Ils appellent l'asile. L'asile ne peut pas. Aujourd'hui, la France n'est pas comme la France d'hier. Les logements, on ne les donne plus comme ça. On leur a dit, si tu fais enfant, quand tu vas, on va te loger. Zéro. Ils sont là-bas. Ouattara ne peut pas venir les secourir. Ouattara ne peut pas venir les secourir. S'il y a une fille bêtée là-bas, s'il y a une fille guérie là-bas, s'il y a une fille
Baoulé là-bas, elle a même problème avec eux. Et c'est vous, vous insultez les gens. Comme si vous, vous avez tout. Ouattara vous donne tout. Mais les mêmes difficultés, là, c'est ce qu'on a. Les mêmes difficultés, là, c'est ce qu'on a. Aujourd'hui, les difficultés. Vivre en Côte d'Ivoire est encore trois fois plus difficile que quand Babo l'a tué là-bas. Celui qui ne les tue plus est là et il fuit la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Burkinabés ne sont pas bêtes. Les Maliens, ils ne sont pas bêtes. Ils regardent et ils voient et ils comprennent. Ce n'est pas quelqu'un qui leur dit ça. Mais Thierry, il est celui qui dit qu'il cherche mon kiki là. C'est un PD. Il faut le laisser. Il n'a rien à dire. J'ai vu son commentaire là. Vous comprenez? C'est comme il se déshabille là. Il voulait que je me déshabille pour qu'il me regarde. C'est des situations. Quand les Africains sont dans ce genre de situation, nous tous les Africains, on doit s'unir. On doit pleurer ensemble. Mais vous, quand on vous écoute là, vous avez tout. Vous comprenez? Vous avez tout. Donc quand nous, on vous voit comme ça là, on se dit, ah mais ceux-là, ils souffrent encore comme nous. Ils souffrent comme nous. On ne peut pas faire ça. Pleure, on est dedans. C'est pas pour quelqu'un. Et d'ailleurs, même nous, nous-mêmes là, c'est nos vidéos, nos critiques là même qui fait que c'est vous qui profitez de nos critiques. Nous qui nous attaquons, qui critiquons les autorités là, c'est nous qui venons qui vous donnent l'argent. Quand ils décident de partager les milliards, là, c'est parce qu'on les critique. Que vous, qui êtes auprès d'eux, là, ils vous donnent l'argent. Et c'est pas à nous qu'ils donnent. Nous, on critique, mais quand ils font un peu les gestes, là, c'est à vous qu'ils donnent. Et c'est grâce à nous, parce que nous, on critique. Eux, ceux que vous appelez les autorités, là, elles savent que ce que nous on dit dans nos vidéos là est une réalité. C'est ça. Elles savent que ce que nous on dit là, c'est une réalité. C'est vous qui ne cherchez pas à comprendre. Parce que devant vous avez une situation. Je vous dis toujours, aujourd'hui j'ai fait les vidéos. Demain là, peut-être les choses n'ont qu'à changer encore. Vous voyez, Babo n'a qu'à pouvoir. Mais les mêmes choses que je critique là, je vais trouver choses, je vais les critiquer. Je le dis. Vous avez vu, j'ai mis la vidéo de Michel Babo. Il est en train de faire sa campagne qu'il appelait porte à porte. Et il est dans les quartiers de Yopougon. J'ai mis la vidéo sur ma page, regardez. C'est Abidjan, Yopougon. C'est-à-dire, quand vous montre les ponts, quand vous ne pouvez pas penser que ce qu'on voit, les carnivaux qu'on voit à Yopougon, les choses là n'existent plus à Yopougon, à Abidjan. C'est-à-dire, la souffrance, les marchés où nos mamans vendent, la Côte d'Ivoire que vous présentez, tu ne vas plus avoir l'impression que ces choses-là existent. Quelqu'un même qui peut dire, ton prêt même va t'appeler d'Abidjan pour dire j'ai besoin de 2000, mais tu vas dire, mais aïe. Souvent même pour rire, on dit ça aux gens. Ah oui, ma fille est malade. On vous soit un cadeau là-bas, non? On vous soit un cadeau? Parce que quand on nous présente la Côte d'Ivoire, là, tu ne peux pas penser qu'un Ivoirien peut mourir pour une ordonnance de 3000. Tu ne peux pas penser qu'un Ivoirien peut mourir pour une ordonnance de 2000 quand Ouattara s'assoit et puis tu parles de la Côte d'Ivoire.
quand les militants du RDR sont assis sur les réseaux sociaux et puis ils nous parlent de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Arrêtez ça. On a ces mêmes problèmes-là. Les mêmes problèmes, on les a. Voilà. Voilà une petite fille. Une petite fille. Petite fille. Qui ne sait même pas de quelque chose de la Côte d'Ivoire. Je la vois sur les plateaux. Et vos journalistes, là, même quand Babou finit de parler, que vous faites des plateaux, vous avez cette habitude de dire, moi je pensais que Babou allait dire, si tu n'as pas compris le discours de Babou Laurent, ce n'est pas toi qui dois savoir ce que Babou a à dire. Votre semi, ce n'est pas Babou qui doit parler de ça. Si toi tu n'as pas encore compris le problème de semi, ce n'est pas Babou Laurent qui va t'expliquer le problème de semi. Semi n'est pas le programme de Babou Laurent pour qu'il vous t'explique ça. Je pensais qu'il allait parler de semi, les trucs de la vie. Mais ce n'est pas de Babou Laurent qui va attendre les choses de la vie. Quand on dit une autorité a parlé, que l'autorité a fini de parler, que vous asseyez sur un podium, un plateau, pour faire le décryptage de ce que l'autorité, c'est ce qu'il a dit, là. C'est ce que vous décryptez. Vous ne dites pas, vous ne parlez pas de ce qu'il n'a pas dit. Ça aussi, c'est ça, être intellectuel. On dit, on fait un décryptage après que l'autorité ait parlé. Ce qu'il a dit, là, c'est ça, c'est de ça que vous parlez. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est de ça que tu vas parler. Je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Un vieux ancien président qui a du mal à finir ses paroles, mais je ne comprends pas. C'est être impoli, cette petite fille a dit, lui ça. Elle est impolie. Elle ne respecte pas ses parents. Parce que même quand ton métier, tu veux le faire, et que tu es sur un plateau, même si tu n'es pas de même bord politique avec celui qui a parlé, mais quand tu es sur un plateau où tout le monde te regarde, il faut respecter. Tu n'es pas un cyberactiviste. Tu ne parles pas comme une militante. Mais on t'a mise sur un plateau pour décrypter le discours d'une autorité. Tu ne le traites pas d'un vieux qui ne finit pas cette chose. Non. Et ça, moi je dirige un plateau, tu dis ça. Je t'interpelle pour dire non. Parce que ce que vous devez savoir, vous n'avez plus de cartouches pour Babou Laurent. Vous n'avez plus de cartouches. C'est-à-dire, vous avez tiré toutes les cartouches. Donc, quand Babou Laurent, là, il est devant vous, vous ne savez même plus quoi dire pour dire aux Ivoiriens de se décourager de lui. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous ne savez même plus quoi dire. Tu as vu même que tu n'as même pas parlé, puis tu dis... Je sais qu'ils vont me dire que je suis au restaurant. Non, nous, on n'a pas à te dire que tu es au restaurant. C'est parce que tu n'as plus rien à dire que tu as ajouté ça. Sinon, ça n'a pas d'importance. Tu es devant, tu fais une émission et des Ivoiriens t'écoutent. On te dit de dire comment tu as compris ce que Babou a dit. Tu vas chercher ce qu'il n'a pas dit. Et tu vas chercher ce que les gens peuvent penser de ce que toi tu dis. Je ne comprends pas. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Vous comprenez? Moi, je suis vraiment souvent peiné de faire ce genre de commentaires-là. C'est malheureux qu'on nous met devant des situations qu'on est obligé de commenter en fait.
Donc, quand moi, je Ouattara parle que je dois décrypter, je dois faire un décryptage de ce que Ouattara. C'est ce qu'il a dit là, c'est ce que je dis quand même. Mais je ne viens pas dire, non, j'attendais qu'il dise ça, non. Il ne s'agit pas de Babou de te parler de. Babou, il est à l'opposition. Tu as vu même que la question a été abordée. Si c'était un autre, il pouvait répondre comme il peut. Les gens même ont évoqué, le journaliste qui a posé la question a évoqué la souffrance, la peine des Ivoiriens pour obtenir la carte. Babou pouvait profiter de ce qu'il a dit. Mais il a même cherché à bien comprendre. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec dormir au dehors, à Belle Étoile, qu'est-ce que ça a à voir? Quand il a expliqué, si c'est un homme politique qui a envie de parler, il peut profiter de ça. Mais il a dit, non, je ne maîtrise pas ce dossier-là encore. Donc, aujourd'hui, je ne parle pas de ça. C'est ça la sagesse. Il pouvait, le gars avait déjà planté le décor, les Ivoiriens dorment au dehors pour obtenir le truc, ceci, cela. Babou pouvait profiter de ça pour dire ce qu'il a envie de dire. Mais il dit non. Il dit non. Il dit ce que je connais là, c'est Amu. Je connais le contenu que j'ai donné à Amu. Pour vous, là, pour le moment, je ne connais pas. Donc, je vais demander qu'on m'envoie tous les documents qu'il faut. Et puis, on t'appellera pour que je puisse te donner ma position. Mais pour l'instant, je ne maîtrise pas ça. Ça, c'est la sagesse. C'est-à-dire que lui, il ne dit pas les choses parce qu'il voulait dire. Et ça devait t'interpeller, chère petite fille. Et tu pouvais prendre cet enseignement-là. Et sur ce plateau-là, tu aurais fait comme ton papa Babou Laurent. On te pose une question, Babou a dit ça, tu dis, je ne réponds pas à ça parce que je n'ai pas bien compris. Mais tu ne dis pas un vieux qui ne finit pas ses discours. Parce que celui que tu supportes là, si on doit parler en termes de vieux, Ouattara est plus vieux que Babou Laurent. Je vous le dis toujours, on dirait vous oubliez ça. Ouattara là, il est plus vieux que Babou Laurent. Babou Laurent a juste les séquelles de ce que vous lui avez fait. Et Dieu étant avec lui, il se porte très bien. Vous-même, quand il devait rentrer en Côte d'Ivoire, vous saviez quel Babou Laurent vous aviez annoncé aux Ivoiriens. C'est vous qui le voyez, vous saviez comment il était. Il ne marchait pas, il ne parlait pas, il était devenu toc-toc, bête-bête. Il répond aux questions, il nous fait l'histoire. Il y a des Ivoiriens, quand ils vous écoutaient, ils ne pensaient pas voir Babou Laurent qui marche encore, qui s'arrête. Parce que Babou Laurent qui venait de Bruxelles, les vidéos de Ladi Chérif sont là. Vous allez nous dire, vous allez aller regarder, ils vont vous dire, décrire Babou qui venait en Côte d'Ivoire. Ils ont même dit, quand on a dit Babou n'a qu'à rentrer à Katimini, les gens ont dit, Babou même on lui demande de rentrer à Katimini, là, c'est bon pour lui comme ça. De toute façon, il est physiquement, et puis la rue, là, il ne peut pas marcher, là. Il va aller se cacher pour que les gens ne le voient pas. Les gens le disaient ici. Vous comprenez? Vous disiez des choses sur sa santé, son physique. Donc, c'est quel il a, là. Il a fait 8 ans en prison. Il est resté dans une maison qui a été bombardée pendant 3 jours. Mais étant dans cette maison-là, ce qui s'est passé au dehors, les gens mouraient pour lui. Ça travaille ici. C'est Dieu qui a sa main sur ce monsieur. C'est pourquoi souvent je vous dis, quand je suis là, je dis Seigneur, aime-moi comme tu aimes Babou Laurent. C'est pourquoi souvent quand je suis là, je vous dis, ce monsieur-là, si je me réveille un matin, façon pour bédier ses passés, on dit il est mort. Je touche du bois. Je mets ma musique et je danse très bien. Et je me mets à genoux et je remercie Seigneur. Pour tous ceux qui me suivent
et qui suit mes vidéos, j'ai fait cette prière. Mon combat, Gbagbo Laurent ne meurt pas à l'étranger. Gbagbo Laurent ne reste pas dans un cercueil pour qu'on la voit en Côte d'Ivoire. Pour qu'on dise Gbagbo Laurent, prisonnier, est mort à prison. Ça, c'était mon combat. Ça, c'était ma prière. Quand on prenait Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire pour l'envoyer à la haie, si moi, tu me croisais et puis tu me disais, toi, tu seras en Europe, je ne pouvais pas te croire. En 2011, 2012, moi, tu me dis, je vais partir, je vais être un jour en Europe, dans ma maison, comme ça, m'asseoir pour faire vidéo. Là. Je peux pas te, je pouvais même pas te croire. Mais. On n'avait que nos yeux pour pleurer. Mais je suis allé jusqu'en la haie, là où Gbagbo Laurent était en prison. Là. Je suis allé là. J'ai vu où Gbagbo Laurent était en prison. J'ai aujourd'hui les photos, j'ai les souvenirs. Je suis allé en tant qu'un homme qui est né au village, qui connaît sa tradition. J'ai pris bouteille d'eau pour verser ça sur le sol des Blancs, là, pour parler à mes ancêtres, pour dire Gbagbo et Blegoudé ne restent pas ici. Ils ne meurent pas ici. Ils sont au pays. Moi, j'ai gagné mon combat. Si Dieu veut faire encore de lui président, que Dieu fasse de lui président. Mais le fait que Gbagbo Laurent est sur la terre de ses ancêtres, il vit là-bas, et que demain, si Dieu décide de le rappeler, il va être enterré, il va recevoir les honneurs qu'il peut recevoir de ses enfants qu'il aime, de ses parents, et puis être enterré dignement. Pour moi, là, je suis déjà content. C'est vous qui changez position aujourd'hui. Vous ne savez plus ce que vous avez dit hier et tout. Moi, je sais ce que j'ai attendu sur Gbagbo Laurent. Je sais ce que vous avez dit de ce monsieur. Aujourd'hui, s'il est devenu un vieux qui ne peut plus finir ses phrases, Dieu merci. On avance seulement. On avance. Vous comprenez? Mais moi, j'ai compris le discours de Gbagbo. C'est l'essentiel. Et avec moi, plusieurs Ivoiriens ont compris ce que Gbagbo a dit. C'est l'essentiel. Moi, j'ai écouté Gbagbo et je l'ai compris. Dans ce que Gbagbo a tenu, là, dans l'actualité, dans son message, là, il y avait des thèmes. Et les plus importants, c'est ce qui prévaut, l'actualité qui prévaut actuellement en Afrique. Sa position qu'il a donnée en tant qu'un politicien. C'est sur ça, si tu veux faire des décryptages sur son discours, c'est sur ça qu'il faut voir sa position par rapport à ce qu'il prévoit en Afrique. L'autre chose, les élections en Côte d'Ivoire, la position de Gbagbo Laurent. L'autre actualité, il n'est pas sur la liste électorale, ce qu'il a dit. Voici les choses, les analyses qu'il faut porter dans le discours de Gbagbo Laurent. Si vous êtes intellectuel, vous êtes des journalistes, vous êtes des communicants, que vous voulez vous asseoir pour décrypter le point, la conférence de presse du président Laurent Gbagbo, voici les points importants. Aujourd'hui, voici l'actualité en Afrique. Le coup d'État au Niger, la réaction de la CDAO. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent a dit? Il y a des élections en Côte d'Ivoire en septembre. Quelle est la position du parti de Gbagbo Laurent? Qu'est-ce que Gbagbo Laurent a dit? Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il a dit de ça? Aussi, des choses qui sont importantes. Vous racontez votre vie. C'est-à-dire, toutes les fois que vous attendez le nom de Gbagbo Laurent, vous pensez que c'est en l'insultant que des gens vont cesser de l'aimer. Vous n'avez plus de balles. Ça fait combien d'années vous tirez sur Gbagbo? Ça fait combien d'années vous présentez Gbagbo Laurent au monde entier comme un voleur?
comme un assassin. Vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus quoi dire. Asseyez-vous. Si vous n'avez plus de journalistes, nous qui n'avons pas aucun diplôme là, on va venir s'asseoir sur vos plateaux là. On va parler notre charabia là, les Ivoiriens vont nous écouter. Parce que nous, notre langage là, les Ivoiriens comprennent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez écrire sur les réseaux sociaux, Babo a tué les Burkinabés, Babo. On va te dire, il faut t'asseoir, donne-nous les preuves de ce que Babo a tué les Burkinabés. Tu n'as aucune preuve. Vous avez eu 8 mois. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, tout. Documents, vous voulez faire, vous pouvez faire. Vous étiez en complicité avec la Grande France, l'ONU, l'Union Européenne, tout. Trouvez les preuves pour condamner Babo Laurent. Aucune preuve n'a été trouvée. Et c'est ce que je vous dis toujours. Babo, il est en Côte d'Ivoire là. Il n'y a pas eu de compromis au cours de son procès. On n'a pas vu le gouvernement ivoirien aller négocier pour qu'on libère Babo Laurent. On n'a pas vu ça. Le procès est allé jusqu'au bout. Et il a été acquitté avec Blé Goudé et ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Quand le procès est allé au bout là, le chef de l'État, Alassane Ouattara, que vous suivez, et puis vous insultez les gens pour lui, là, il s'est assis et puis il vous a parlé. Il vous a dit que ce pays lui a écrit pour lui dire que Babo et Blé Goudé sont acquittés. Il vous a dit ça. Et c'est là qu'il vous a dit, vous les victimes là, ne vous plaignez pas, on va trouver des solutions pour vous. Au lieu de vous dire qu'on ira jusqu'au bout pour trouver les coupables, il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Donc, le président Laurent Gbagbo, son procès là, il n'y a pas eu d'arrangement, il n'y a pas eu de compromis. Il y a eu plus de 80 témoins à la barre pour pouvoir témoigner contre lui et le condamner. Vous comprenez? On est tous là. On est tous là. Vous ne pouvez pas venir. Il a tué les têtes. Lui qui tuait vos. Vous n'avez rien à dire. Ayez honte. Ayez honte un jour. Vous n'avez rien à dire. Aussi, ce que j'étais venu vous dire. Dire donc aux militants du RDR que les Burkinabés, c'est pas Babo, ils aiment, c'est leur pays qu'ils aiment. Les Burkinabés, c'est leur nation qu'ils ont décidé d'aimer. Les Burkinabés, c'est l'Afrique qu'ils ont décidé d'aimer. Les Burkinabés, ils ont décidé aujourd'hui de ne pas mener le combat de quelqu'un, mais de mener le combat de l'Afrique, de la libération de l'Afrique. Donc c'est pourquoi ils ne parlent plus le même langage que vous. Ce n'est pas Babo qu'ils aiment. Voilà. Les Burkinabés ont juste compris que hier, ils ont été manipulés. Babo Laurent ne les a pas tués. Parce qu'aujourd'hui, là, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas dans le village d'Alassane Ouattara. Le village de Kong qui est attribué à Alassane Ouattara, ce n'est pas là-bas que les Burkinabés se trouvent. Aujourd'hui, tu vas à Maman, les Burkinabés sont là-bas. Même quand tu vas aller dans la cour de Babo Laurent, même à Maman, là, les Burkinabés sont là-bas. Aujourd'hui, tu vas à Gagnoua, les Burkinabés sont dans les champs partout. Ils ont leur champ de cacao, ils ont tout là-bas. Ils ne sont pas chez Alassane. Ils vivent bien là-bas. Pendant que je vous parle, ils sont dans les villages là. Ils sont en train de boire bandit avec les BT, les parents de Babo Laurent. Il n'y a aucun problème. Et vous, vous dites aux gens ici que Babo Laurent tue les Burkinabés. Ils ont fui, ils ont compris. Les Burkinabés là, ils sont allés à l'école, ils sont sur les réseaux sociaux aussi. Ils voient. Vous leur dites qu'ils volent vos passeports, ils voient. Vous leur dites qu'ils viennent dans votre pays là, parce que là-bas il y a travail et l'argent est là-bas. Donc ils prennent l'argent, ils travaillent, ils prennent l'argent et ils volent vos passeports et ils viennent en Europe. Quand on leur demande, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Pourtant ils ne sont pas ivoiriens.
C'est vous qui le dites. C'est vos autorités qui le disent. Et les Burkinabés, là, ils voient et puis ils disent, l'homme pour qui nous on s'est tué, on a fait tout cela, c'est lui qui parle de nous comme ça. Eux-mêmes, ils voient. Donc, ne mettez pas le nom de Babo dedans. N'accusez pas Babo. Parce que moi, je n'ai jamais vu une autorité. Toi qui dois protéger le passeport de ton pays, toi qui signes le passeport de ton pays, c'est toi qui viens dire aux gens, on vole le passeport. Vous comprenez? Il faut qu'on sache une chose. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Dites donc à Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, que logiquement, ce qu'il a fait là, logiquement, il doit répondre. Parce qu'après, on a appelé la fille. La fille n'a jamais travaillé pour Stéphane Kipré. Or, ministre qu'il est, il devait avoir les preuves que la fille a travaillé pour Stéphane Kipré avant de la faire parler, de dire ce qu'il a dit là dans son meeting. Normalement, il doit répondre devant la justice. Parce que c'est une accusation grave sur la personne de Stéphane Kipré. C'est une accusation très grave. Oui. Où la fille la travaillait et puis Stéphane Kipré l'a chassé, l'a renvoyé parce qu'elle a donné un site pour mettre forage dessus dans son village. Et pour cette cause-là, Stéphane Kipré, en tant que patron, l'a renvoyé. Ce sont des accusations très graves. Et quand on est une autorité, on ne vient pas faire ce genre de déclaration là, publiquement quand on n'a pas les preuves. C'est pas bien. Peu importe tout ce qui va être autour. Mais le fait que la fille travaillait pour Stéphane Kipré et comme elle a donné un site, Stéphane Kipré l'a renvoyé de son entreprise. C'est très grave. Et une autorité ne vient pas affirmer ce genre de choses quand il n'a pas les preuves. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Sinon, là, elle est là-bas. Il ne peut pas attendre d'abord que Stéphane Kipré la renvoie pour la mettre au travail. Elle, comme elle, là, il y en a plein dans le village là, qui ne travaillent pas, qui sont sans emploi. Ce n'est pas elle qui est opposée à un problème, l'oppose peut-être à Stéphane Kipré, là, c'est à lui. Elle qui va donner travail. Mais les jeunes, on n'a pas besoin que les jeunes aient des problèmes politiques. Avec vos choses, c'est vous qui gérez la Côte d'Ivoire, c'est vous qui gérez le bien du pays. Mettez les jeunes dans des conditions. Vous avez 1 milliard par jour pour les jeunes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir problème avec vos opposants pour que vous puissiez prendre les gens d'abord? Beaucoup, chers frères et sœurs, voici ce que je voudrais dire. Merci à ceux qui m'ont écouté. Je voudrais juste lancer un petit message à ma sœur Clarisse Locognon. C'est comme ça qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Elle s'appelle Clarisse, qui est sur Clarisse. Elle fait aussi les vidéos. Et je la salue pour son courage. C'est vrai, on ne s'inscrit pas trop dans le même registre parce que moi... Quel que soit ce qu'on va me faire, je n'insulte pas. Comme ce sont les femmes entre elles là-bas, elles se parlent bien. J'ai regardé une de ses vidéos. Je voudrais lui dire merci. Parce que elle a dit dans sa vidéo à Rachel Crasso que qu'est-ce qu'elle a dit là? Son frère que je suis, des biens que je suis. Elle m'a... le mot là. Je voudrais lui dire à ma soeur Clarisse de ne pas s'inquiéter. Il n'est pas du tout forcément qu'elle s'inquiète. Mais Rachel Crasso, je n'ai rien fait en fait. Donc, c'est le mot que tu as employé là que je cherche. Ça ne elle m'a voilà, dévoilé ou bien... vendu, c'est genre un thème comme ça. Voilà. Non, non. Tu sais. Bon, si quelqu'un a regardé la vidéo, là, le mot qu'elle a employé, là, parce que ma caméra. Bon, c'est un petit mot, hein, mais ça m'échappe. Donc, je voulais dire à Clarisse, ma soeur, que Rachel Crasso,
Ce qu'elle a fait là, en fait, c'est son travail qu'elle a fait. Voilà, c'est son boulot. Vous comprenez? C'est son boulot. Elle a fait son travail. Voilà. C'est-à-dire, leur boulot, c'est de... On les a pris pour être des renseignements généraux. Donc, il faut quand même donner du contenu à ce que tu fais pour qu'on sache que tu travailles. Donc, comme j'ai fait une vidéo en guédier et que j'ai adressé à Babo Laurent, il fallait bien elle qui est là aussi pour écouter et dire qu'elle est guébier, elle est bakulo, elle est pété. Si quelqu'un parle bété, il faut qu'elle vienne se montrer comme quelqu'un qui comprend le bété, donc il va venir expliquer pour dire le bété là, lui là. C'est son travail qu'elle fait. Mon message que j'ai donné à Babo là. Aujourd'hui, je suis content. Parce que ce que j'ai dit dans mon message là, c'est comme ça les choses se passent. C'est comme si Babo Laurent même avait reçu mon message. Donc, moi, je suis content. Le message, il est clair. La façon dont je voulais que les choses là se passent, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. J'ai dit, et ce qui est bien, c'est que le même message, je l'ai dit en français. Je l'ai dit en français. Donc, Rachel Classo, c'est juste donner du contenu. Elle s'est donné de l'importance pour dire aux gens, vous voyez, j'ai fait bien mon travail, je vous ai expliqué ce que Micro a dit. Elle a aussi fait ma publicité parce que depuis ce jour-là, j'ai eu encore plus d'audience que j'avais. Voilà. Donc, pour moi, elle n'a rien fait. Où je suis là? Si demain on m'appelle pour dire c'est pour cette vidéo-là que les gens veulent me convoquer, ne craignez pas pour moi. Si vraiment on peut être devant des juges clairs, il y a des juges qui sont guébiers, qui comprennent le guébier qu'elle, Rachel Classo. En Côte d'Ivoire, il y a des juges qui sont guébiers, qui maîtrisent même le guébier qu'elle, Rachel Classo. Des avocats qui sont guébiers. Voilà. Donc, elle a juste, elle est dans un travail qu'elle fait. Voilà. Il faut la laisser. Ça n'a pas d'importance. Si entre vous, vous pouvez vous parler, parlez-vous-même. Moi, pour moi, la laisse ça. Laisse. Voilà. Moi, je dis toujours, je ne réponds pas à Rachel Classo. Je ne réponds plus à Céline Soulange. Parce que ces deux femmes-là, vous allez voir un jour une photo ou bien une vidéo où je suis avec elles, les deux. C'est moi qui vous dis ça. Ce que je vous dis là, notez ça. Céline Soulange, Rachel Classo, notez que Micro a dit. Moi, je ne parle même pas d'elle. Elle n'a qu'à parler de moi comme elle veut. Moi, je ne parle pas d'elle. Parce que quand tu sais que tu peux rentrer dans la même maison avec quelqu'un un jour, tu peux rencontrer quelqu'un un jour, vous pouvez partager quelque chose un jour, des mêmes choses, bon, vous rencontrez un jour, il faut t'abstenir de parler de la personne. Parce que demain, tu vas avoir honte. Donc, moi, je ne parle pas. Et un jour, je vais vous mettre photo ou bien vidéo où vous allez voir le cher Rachel Casson. Vous allez voir, c'est parce que peut-être si je cherche, je peux trouver avec Rachel Classo, même avec Céline Soulange là. Si je vois peut-être son mari ou bien qu'on peut peut-être on est dans des photos quelque part. Parce qu'on s'est déjà vu, on a eu à échanger. Rachel Classo, la dernière fois qu'on s'est croisé, c'était à Paris. La dernière fois qu'elle et moi, on s'est croisés, c'était à Paris, à une cérémonie. Des filles de chez moi, du guébier, à Paris, où elle est venue représenter un frère qui a été candidat à la mairie à Gagnoua. Elle dit c'est le frère qui lui a demandé de venir le représenter. Elle était là.
J'étais le maître des cérémonies. On a parlé, je l'ai annoncé comme je devais l'annoncer. Après, les mots, on s'est pris à deux puisque je connais aussi ce frère-là. Elle sait ce qu'elle m'a dit de lui. On s'est pris là, on a causé. Comme, puisqu'on se... Rachel Krasso et moi, on s'est d'abord virtuellement connus. Parce qu'à un moment donné, on avait des petites associations, des BT et tout, et nous qui étions donc un peu les leaders d'opinion chez nous. Et ils étaient en France, nous on était au Bilal là-bas, et sur Facebook, on était dans des associations, des BT, on partageait certaines choses. Je ne la connaissais pas physiquement. La première fois que j'ai connu Rachel Krasso, c'était au funérailles de sa propre maman. Et ça, je vous le dis toujours. Et quand j'ai eu à parler de ça, c'est quand sa soeur a dit que les pro-babos sont ingrats. C'est là que j'ai pris cet exemple-là pour dire, même dans la souffrance des pro-babos, au moment où sa maman mourait dans la souffrance, c'est-à-dire, à Abidjan, tu ne pouvais pas parler de pro-babos. C'était difficile. C'est les Dano Didier là, qui venaient de sortir même de prison, les Odette Lourignon, et puis je ne sais pas qui encore là, qui était venu à la ville. Malgré qu'il n'avait rien, j'envoyais quand même une petite enveloppe au nom de la grande sœur de choses, Rachel Krasso, qui était comment elle s'appelle. Donc, ils ont envoyé une petite enveloppe. Donc, quand les gens font ce genre de gestes, c'est parce qu'ils te reconnaissent. Les Odette Lourignon, les Dano Didier sont venus pour qui? Mais c'est pour Babo Laurent. C'est moi qui parlais à ses funérailles. C'est pour Babo Laurent qui sont venus soutenir Ali Thierry. Donc, et c'était dans une situation très compliquée. Donc quand j'entends Ali Thierry dire ils sont ingrats, ils sont ingrats, je dis non. Moi, quand je vois ces gens de gestes, tu ne peux pas dire qu'ils sont ingrats à chaque fois. On était une famille. C'est là que j'ai cité cet exemple. Et c'est à ces funérailles-là que j'ai vu pour la première fois Rachel Krasso. Elle m'a vu, on s'est vu. Voilà. Après, je connais les gens qui la connaissent, je connais un peu sa nature. Mais Rachel Krasso n'est pas à sa première fois, c'est pas la première fois qu'elle parle de moi, même au village où elle était en campagne. Où elle dit qu'elle était députée. Tout le temps qu'elle avait, c'est aller dénigrer Babo, tous les pro-Babo. Les gens l'écoutaient, nous qui sommes un peu leaders d'opinion chez nous, on nous disait. Donc moi, mais ça ne m'intéresse pas en fait, les problèmes de personnes. Voilà. La façon dont vous vous asseyez, vous vous insultez, moi je ne suis pas dans ce cadre-là. Les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui qu'on leur parle, qu'on les actualise. Nous, on a décidé d'être sur les réseaux sociaux pour parler. Il faut qu'on explique les choses aux Ivoiriens. Avec notre vilain français, celui qui veut nous écouter, va nous écouter. Et au-delà des Ivoiriens, on est en train de parler aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un combat pour toute l'Afrique. C'est tout. Donc, les gens qui sont encore derrière et qui sont en train de se renfermer, il faut les regarder. Parce que eux aujourd'hui, oui, ils n'ont plus d'arguments. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est les gens avec lesquels ils vont faire les petits poteaux, les injures. C'est ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui s'asseoir et faire un débat sur la politique, sur l'avenir de l'Afrique. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Parce qu'aujourd'hui, la vision des Africains, là, et ils ne sont pas encore dedans. Vous comprenez? C'est comme hier. Quand il combattait Babo Laurent, il ne le combattait pas sur ses réalisations politiques. Ils étaient dans l'histoire de il tue les gens, il n'aime pas les nordistes, il était. Et aujourd'hui, maintenant, ils veulent faire un débat politique sur il n'a rien réalisé. Mais tu vois qu'ils ne peuvent pas faire le débat parce qu'ils sont obligés de mettre des injures dedans parce qu'ils tombent sur un débat qu'ils n'ont pas. C'est pas avec ça qu'ils ont combattu le gars. Donc ça veut dire que. Ils ignorent la réalité de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui sont morts pendant les 10 ans, le retard que la Côte d'Ivoire a connu, la guerre, tout ça,
Eux, ils ignorent ça. Parce qu'il faut qu'ils se mettent dans une position pour faire comprendre aux Ivoiriens que Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, il n'a rien fait. Mais le retard, les conséquences, tout ce qu'ils ont fait endurer à la Côte d'Ivoire, eux, ce n'est pas leur problème. La mort d'un Ivoirien ne leur dit rien. Il faut supporter Alassane. Il est en train de faire les ponts, il est en train de faire ceci. Et ce qui les amène à oublier eux-mêmes la réalité des parents qu'ils vivent, c'est de ce qu'il s'agit. Donc, ce genre de personnes, je ne cherche pas à les avoir à faire des jeux. Leurs histoires de petits poteaux, des clashs, tout ça. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Si vous remarquez mes vidéos, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, ma soeur, Clarisse Nyonpo, je ne sais plus comment ton deuxième nom là. Merci. J'ai regardé ta vidéo. Mais tous mes camarades pro Gbagbo me connaissent. Les vidéos où il y a des injures, il y a affaire de je suis plus que toi, j'ai telle réalisation, j'ai fait ceci là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Je n'ai rien. Où je suis là? Je me débrouille en Europe ici. Si j'avais l'argent, je ne serais pas en Europe. Voilà. Donc, moi, je n'ai rien. Donc, les vidéos où lui, il doit venir, je suis plus intellectuel que toi. Tu n'as rien, j'ai voiture, j'ai ceci. Moi, je ne fais pas ça. Celui qui veut m'insulter n'a qu'à m'insulter. Voilà. La dernière fois, il faisait une vidéo ici. Il y a un qui a dit à son ami, je peux te nourrir, je l'ai bloqué. Vous pouvez faire vous, tous vos commentaires. Mais les histoires de je suis mieux que toi, je peux te nourrir, là. Quand tu le dis, moi, je ne marche pas avec toi. Voilà. On a la politique de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Ouattara a fait les ponts. Qu'est-ce que ton avis dessus? T'es ici, cela. C'est tout. Voilà. C'est tout. Quelqu'un insulte Gbagbo Laurent. C'est son éducation qui lui permet d'insulter Gbagbo Laurent. Moi, je dis Ouattara, je ne peux pas l'insulter. Ouattara, ce n'est pas mon ami. Mon travail que j'ai fait, c'est de m'attaquer aux réformes politiques de Ouattara. Ouattara n'est pas mon ami pour que je l'insulte. Et ça, c'est l'éducation que j'ai reçue. Je m'assois sur un plateau, j'insulte Ouattara. Je gagne quoi dedans? Est-ce que Ouattara, c'est mon ami? Ouattara, là, est-ce que je vaux son orteil? Quand vous regardez Ouattara, c'est moi, je vaux son orteil. Et puis, je vais l'insulter. Non, non, non. Je ne peux pas. Mais Ouattara est un politicien. Il dirige la Côte d'Ivoire. Les réformes politiques qu'il utilise, ça, je m'attaque à ça. C'est pourquoi je suis à l'opposition. Ça, c'est mon travail. Donc, celui qui veut récupérer pour m'insulter, que la personne m'insulte. C'est pourquoi, souvent, quand les gens disent, j'ai mes amis, quand ils font leur vidéo, ils disent, ils ne reconnaissent pas Ouattara comme président. Moi, je ne peux pas le dire. Parce que quand je le dis, c'est comme si je ne disais rien. Regardez, ça fait une semaine que j'ai reçu mon passeport. Mon passeport était fini, je l'ai renouvelé. Et je suis allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie pour déposer les papiers là-bas pour faire mon passeport. Mais si je dis je ne reconnais pas Ouattara comme président, ça veut dire que je ne reconnais pas son autorité. L'ambassade de Côte d'Ivoire, c'est l'autorité de Ouattara. Parce que l'ambassadeur qui est là-bas, c'est Ouattara qui l'a nommé. Vous comprenez? La signature qui est dans mon passeport, là, l'autorité qui a signé mon passeport, là, c'est Ouattara qui l'a nommé. Vous comprenez? Par exemple, je suis en Italie ici. Je suis peut-être dans un secteur, on me donne un document administratif. On dit ce document-là. Il faut que ton président le signe. Le président de ton pays le signe. Ce n'est pas Gbagbo qui va le signer. Si Gbagbo le signe, le document ne sera pas valable. C'est bien Ouattara qui va poser sa signature dessus. Et je vais dire aux gens, je ne le reconnais pas comme... Non, je suis en train de trahir les gens. Gbagbo Laurent même, dont je suis dans le parti, hier, quand il parlait, il a dit, j'ai attendu mon président dire. C'est ça, le président Laurent Gbagbo. Ouattara ne l'aurait pas dit. Au temps de Ouattara, il n'a jamais reconnu Gbagbo comme président. Mais le président Laurent Gbagbo, il est ce qu'il est. Il dit, j'ai attendu mon président dire. Vous comprenez? C'est comme ça. Parce que
on veut la Côte d'Ivoire, voilà, elle nous coûte cher. On va mettre dans la tête des gens. Ouattara n'est pas président, Ouattara n'est pas ceci. Voilà. Ben, notre travail, en tant qu'opposant, c'est de nous attaquer aux réformes politiques de Ouattara. Ce qu'il utilise pour diriger la Côte d'Ivoire, ces plans qu'il utilise, c'est à ces plans-là qu'on s'attaque. C'est tout. Donc moi, voici un peu mon travail sur les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont compris, l'ont compris. La dernière fois, j'ai fait un post pour dire, si vous cherchez l'assassin d'IB, c'est bien Ouattara. Les gens ont pensé que j'ai insulté Ouattara. Je ne l'ai pas insulté. Mais c'est ce qui est. IB meurt pendant que Ouattara est président. Pendant qu'à la télévision de Côte d'Ivoire, on voit Ouattara qui fait une réunion avec son état-major, qui demande aux militaires d'aller désarmer tous ceux qui sont en armes, en force ou en gré. Ils sont allés, ils ont désarmé IB en force. Ça s'est mal passé. Il est mort. Mais c'est Ouattara qui a donné l'ordre et puis il est mort. On cherche l'assassin de IB, c'est bien Ouattara. Pour ça, si on va dire que je l'insulte, ok. Si pour ça on va dire qu'on va me faire la... Puisque même ceux qui sont en face, qu'on appelle les militants du RDR, tous ceux qui sont morts sous Babo Laurent, c'est Babo qui les a tués, c'est Babo qui a tué Guéhi, c'est Babo qui a tué tous ceux qui sont morts sous Babo Laurent, c'est Babo qui les a tués. Quand eux, ils le disent, là, ils parlent pas mal. Quand un président dirige, quelqu'un meurt, c'est lui. Même la rébellion qui a attaqué Babo Laurent, on dit c'est Babo Laurent. Ouattara est au pouvoir. IB meurt et on cherche son assassin. On dit non, c'est Soro. Mais Soro était ministre de choses Alassane Ouattara. Les communiqués sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, voici un peu l'esprit dans lequel je fais mes vidéos. Et beaucoup me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous. Voilà. Vous voyez les militants du RDR qui sont là. Ils m'insultent, ils sont là. Vous m'avez vu les insulter. Non. Parce que quand on est militant du RDR, on n'a aucun argument. Le militant du RDR, s'il veut même s'asseoir, il va chercher à argumenter. Tu vas lui dire, tu as fait ça. En retour, il va te dire, Babo avait fait ça. Il ne peut pas dire ça là. J'ai fait parce que. Ou bien, je n'ai pas fait. Mais le nom Babo va sortir dedans. C'est-à-dire, il déplace toujours les choses. C'est comme ça ils sont. Voici les Kandia Camara. Dans une élection législative, c'était pour sa vidéo la tourne. On s'assoit devant le peuple et on lui dit, si quelqu'un vient ici qui vous demande de me voter, que je vais vous faire route, je vais vous faire demander lui s'il connaît le premier ministre, s'il connaît le président Alassane Ouattara. Mais quelqu'un qui allait à l'école, qui connaît le fonctionnement de l'État, ne peut pas parler comme ça. Quelqu'un qui se bat pour la démocratie ne peut pas parler comme ça. Voici mon problème que j'ai avec, un peu avec ces gens-là. Un maire qui est élu, il est élu par le peuple, il est le représentant du peuple. L'argent que le premier ministre donne, c'est à celui que le peuple a élu qu'on donne. C'est pas, on ne regarde pas de quel parti politique il est. On ne regarde pas sa relation avec le premier ministre. On ne regarde pas sa relation avec le président. Mais aujourd'hui, à Gagnoua, le peuple a décidé d'élire Youssouf Koulibaly, comme ça il s'appelle, non? Youssouf Silla ou bien quoi? Le maire de Gagnoua. Le peuple de Gagnoua a décidé de lui. La population de Gagnoua a décidé de lui. C'est lui qui est leur représentant. Alors, si on doit donner l'argent pour le développement de la commune de Gagnoua,
C'est à lui qu'on donne. C'est au nom du peuple qu'on lui donne. Mais on ne donne pas l'argent à Youssouf Diaby parce que il a les relations avec le premier ministre. Parce qu'il a les relations avec le président. À partir de là, on ne parle plus de la démocratie. À partir de là, on ne parle plus de l'État. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Adama Koné, je n'ai pas envie de répondre aux commentaires aujourd'hui. Mais si tu me dis d'aller écouter Alassane pendant la campagne, mais avant qu'on arrive à la campagne, il faut écouter Alassane qui vous a dit, vous ces militants, qui ne reconnaît pas Babo Laurent comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et que lui, Alassane Ouattara, la grande partie de la Côte d'Ivoire qui est occupée par des rebelles, qu'il appelait les forces nouvelles, c'est lui, ses partisans qui sont là-bas. C'est lui qui gère là-bas. Donc, Babo, là, il ne le reconnaît pas comme un président de la République. Tu sais ça au moins, qu'il a dit. Ce genre de discours, là, Babo peut le tenir. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, moi, ce que j'ai dit, là, je n'ai pas amené ça quelque part. Je n'ai pas dit que j'ai dit un truc parce que j'ai envie de dire. Mais c'est parce que j'ai attendu Ouattara dire qu'il ne reconnaît pas Babo Laurent comme président, pendant qu'il était chef d'État. Tu comprends? Voilà. C'est à ce commentaire-là que je veux juste répondre. Vous comprenez? Il faut qu'on soit des humains. Il faut que on soit réel. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, je fais par exemple un exemple. Il y a un jeune qui a fait une vidéo. Après l'inauguration du pont, il a fait une vidéo parce qu'on dit que le président a donné 20 millions aux ouvriers. Il a fait la vidéo, il demande qu'on leur remette leurs 20 millions, eux les ouvriers, parce qu'ils ont souffert. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos, des gens qui écrivent que les ouvriers sont en train de dire qu'ils ne sont pas payés. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit non, ce n'est pas ce que l'enfant a dit. C'est différent ce que l'enfant dit. C'est très différent. Le salaire et ce que l'enfant réclame là, c'est différent. L'enfant n'a pas dit qu'ils ne sont pas payés. L'enfant ne réclame pas salaire. Non. Écoutez bien sa vidéo. Je suis un opposant, je pourrais récupérer pour parler comme les autres. Non. Je suis clair dans mes trucs. La vidéo que le jeune a fait, il n'a pas dit, nous on a travaillé, on a fait le pont et on n'a pas été payé. Non. Ouattara, le président, quand il est venu inaugurer, il a récompensé les ouvriers. Il a donné 20 millions. Donc les ouvriers, là, ils veulent avoir leur argent. Il ne faut pas que ça parte dans la main de leur patron et eux, ils ne vont pas gagner. Ça n'a rien à voir avec leur salaire. Parce que c'est eux qui ont souffert. Or, devant eux, il y a les techniciens supérieurs, il y a tous ceux-là qui sont là, les Chinois avec lesquels ils ont travaillé. Donc, demain, ils vont prendre l'argent et ils ne vont rien avoir. C'est la vidéo qu'il a fait pour qu'ils reçoivent l'argent que le président a donné. Et le nombre qu'ils ont donné, le nombre des ouvriers qu'ils ont donné, l'enfant dit ici qu'il n'est pas... Les gens disent déjà un nom pour ne pas qu'ils gagnent l'argent. C'est pourquoi il dit, on n'est pas comme ça, mais voilà comment nous sommes. Donc, ceux qui utilisent la vidéo pour dire, Ouattara n'a pas payé les ouvriers. Les ouvriers qui ont travaillé sur le pont n'ont pas été payés. N'est pas vrai. N'est pas vrai. Voilà. Même si les pro-babos, comme moi, qui le disent, dites-leur que ce n'est pas ce qu'il a dit. Et ça, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, si quelqu'un revendique son salaire, ce n'est pas à Ouattara qu'on revendique le salaire. Parce que ce n'est pas Ouattara qui paye
les ouvriers. Le pont a été fait par une entreprise. Donc, ceux qui ont travaillé sur le pont étaient les employés de l'entreprise. Donc, s'ils ne sont pas payés, c'est à l'entreprise qu'ils vont se prendre, ce n'est pas à Ouattara. Voilà. Ça, je voulais vraiment l'expliquer aussi, même si les gens nous insultent. Quand les choses sont claires, on les dit. Donc, sa vidéo qu'il a faite, elle est claire. Ce n'est pas un salaire qu'il revendique. Mais plutôt, on peut peut-être appeler ça les per diem qu'ils ont reçus de la part du président. Vous comprenez? Ce n'est pas salaire qu'il revendique. Et si c'est salaire qui devait être revendiqué, on ne dira pas, on ne viendra pas faire les vidéos pour dire Ouattara inaugure un pont et les employés ne sont pas payés. Parce que les employés ne sont pas liés à la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les employés de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les employés de Ouattara. C'est une entreprise qui a réalisé le pont. Ceux qui ont travaillé là-bas ont un contrat avec l'entreprise. Donc, s'ils ne sont pas payés, ce sont les patrons de l'entreprise. Maintenant, il revient au patron de l'entreprise pour dire que Ouattara n'a pas payé leur argent. Parce que, à partir de là, on peut savoir, mais un manœuvre qui a travaillé sur le pont, ce n'est pas Ouattara qui doit réclamer son salaire. Voilà. Ça, je voudrais vraiment le dire. Voilà. Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Je ne vais pas prendre une vidéo pour venir salir Ouattara parce qu'il faut le salir. Donc, c'est pourquoi ce genre de vidéos, je ne les partage pas sur ma page. Donc, je voudrais aussi un peu le dire. Voilà. Pour que les gens puissent me connaître pour dire c'est comme ça que je suis. Voilà. Merci à tous. Ceux qui ont suivi la vidéo, merci à ceux qui se sont abonnés. Voilà, c'est la page micro. Il faut s'abonner là. Ici, on n'insulte pas. Ici, on dit ce qu'il y a à dire. Voilà, donc voici un peu ce que je voulais relever aujourd'hui. Merci et bonne soirée à tous. Il est 14h là où je suis. Il doit être 12h20 en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Merci encore au Burkinabé et courage à vous. Vraiment, les vidéos que j'ai vues m'ont vraiment choqué. Et j'ai dit courage aux militants, aux militaires burkinabés. Courage à Ibé. Que Dieu soit avec vous et que Dieu soit dans ce combat pour que vous puissiez le gagner. Ça ne sera pas facile, mais que Dieu soit vraiment avec vous. Et que vous ayez vraiment sur le plan international des personnes sincères pour venir vous aider. Je salue le peuple du Mali. Je salue le peuple du Niger. Voilà. Ça ne sera pas facile pour vous. Pour ce que Dieu a mis dans votre terre, dans votre sol, les gens viendront vous tuer. Les gens viendront vous faire le mal. Malheureusement, en Afrique, on n'est pas soudés. Les propres Africains viendront vous créer des problèmes. Que Dieu fasse vraiment que vous gagniez aussi ce combat auquel qui vous sera imposé. Que le Seigneur vous aide et que Dieu aide vraiment l'Afrique. Comme je l'ai dit, il revient aux Africains de décider de faire ce combat-là maintenant ou bien d'avoir peur encore et le reporter. Mais tôt ou tard, c'est un combat que l'Afrique doit faire. Il s'impose à nous. Voilà. C'est nous, la génération d'aujourd'hui. On ne veut pas le faire, disons-nous que tôt ou tard, il aura des hommes et toute l'Afrique parlera le même langage et le combat se fera. Je voudrais encore une fois inviter la diaspora à revoir notre lutte. Aller devant les ambassades, dans les rues, crier. Il faut revoir. Aujourd'hui, cherchons la stratégie. Comment donner l'argent au niveau de la diaspora, créer une banque. Si celui qui veut aider les efforts peut peut-être dire mon salaire, là, je paye 2 euros, je paye 5 euros, selon ce qu'il peut, pour que depuis sa banque, l'argent puisse aller sur ce compte-là pour aider les efforts en Afrique. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Voici comment aujourd'hui il faut faire le combat. Voici comment il faut faire le combat aujourd'hui. Parce que c'est de ça. Aujourd'hui, on a des gens en Afrique qui sont prêts à se sacrifier pour la liberté de l'Afrique.
Ce qu'il faut maintenant, ce sont les moyens. Ce qu'il faut, ce sont les moyens. Regardez hier ce que Ibrahim, avec ses militaires, en même temps qu'ils avancent, ils vont vers l'ennemi, ils sont obligés de faire les ponts pour pouvoir passer. Et puis ils avancent. Et sur la route, ils meurent. Et ils avancent. Pourquoi la diaspora ne peut pas dire, on dit il y a trois points où ils peuvent faire le pont. On s'est cotisé ici, on dit Ibrahim, voici peut-être 50 millions. On va t'aider parce que les ponts qu'on a vus qu'ils ont fait là, avec 2 millions, 1 million, 3 millions, on peut faire ce genre de ponts. Avec 50 millions, on peut peut-être faire 10 ponts déjà qui peuvent leur permettre d'avancer. Pourquoi on ne peut pas avoir ce genre d'idées là? D'être ensemble, d'être unis et combattre le mal. Voilà. Donc, courage à vous et les Africains dont la voix porte. Essayons de voir ce qu'on peut faire. Ou le cœur. Ou le cœur. J'oublie. Vous voyez cette analyse du monsieur de Wagner, c'est comme ça, non? Qui est mort, qu'on dit crash a tué. Vous voyez comment les Français ont récupéré. C'est-à-dire jusque-là, le président Poutine n'a rien dit. Mais la communication française a déjà récupéré, a commencé à accuser Poutine. Regardez bien et avançons. Vous allez voir demain. C'est-à-dire, la France a déjà tout dessiné, a déjà tout dit. C'est comme ça elle est, la France. Poutine lui-même, on l'accuse déjà. C'est lui qui l'aurait tué tant. Ils savent ce qui se passe. Faisons très attention. Et je l'avais dit depuis le début. Est-ce que l'Afrique ne va pas devenir ce terrain neutre où deux puissances vont se battre? Est-ce que nous ne revenons pas au temps d'avant où les puissances sont venues se battre en Afrique pour récupérer des territoires? Aujourd'hui, ça va être difficile parce que hier, nos parents n'avaient rien pour combattre contre eux. Aujourd'hui, ils auront moins de complices qu'hier. Il y a des chefs d'État qui ne joueront pas leur jeu. Et aujourd'hui, quand on remarque les coups d'État, les chefs d'État qui veulent être en complicité avec eux, c'est eux qui ont problème. Les choses commencent à changer en Afrique. Et à nous de décider et on peut changer les choses. Que Dieu vous bénisse. Merci et abonnez-vous. Abonnez-vous massivement pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Madeleine Sirikba, sois saluée depuis ta position. Tu as un nom de chemin. Tu n'es pas Madoubéi par hasard. Madeleine Sirikba. Amsatou Seydou, sois salué. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont fait des commentaires. Voilà. Merci à vous. Tous ceux qui m'ont insulté, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Merci.